1-2-1-2, est-ce que ça fonctionne? Allez, comme d'habitude, j'attends éventuellement quelques petits retours. Bonjour à tous, si il y a du monde. En tout cas, moi, je regarde au niveau de mon autre PC. A priori, le son de ma voix est là et le son du jeu également. N'hésitez pas à me faire vos retours. Apparemment, je vois 3 spectateurs. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout est bon pour vous, s'il y a quelques réglages à faire. En ce début de live, et bienvenue pour ceux qui sont ici. Allez, ça fonctionne pour moi. On est pas mal. Alors après, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on est sur ce jeu et qu'est-ce que j'ai un petit peu de prévu là-dessus, puisque bah, c'est quelque chose qui fait un peu son retour sur la chaîne, j'ai envie de dire. Hein, puisque, voilà, pour ceux qui peut-être me connaissent depuis longtemps, eh bien, Car Mécanique n'est pas une nouvelle série en soi sur ma chaîne. C'est quelque chose qui existe déjà. Depuis longue date. Alors pas ce jeu en particulier, mais on va y venir justement après. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'envisage dessus. N'hésitez pas déjà, dans un premier temps, à me faire part de vos retours. Retour son, retour image, enfin tout ci, tout ça, tout ce qui va bien. Et ensuite on pourra commencer. Allez, j'attends un petit peu, histoire de voir qui est là. Je sais qu'il y a du monde, apparemment 3 spectateurs. Donc n'hésitez pas, dans le chat c'est fait pour. J'attends vos retours. Plus, je vous ai mis une... Enfin, c'est pas moi qui vous l'ai mis, c'est le jeu qui est comme ça, mais... On a quand même une belle musique entraînante hein, dans ce jeu. C'était d'ailleurs un des points positifs de ce jeu, je trouve. Mais il est pas si mal que ça, ce jeu, vous allez voir. Il est pas si mal que ça du tout. Ça a été le tout premier Car Mécanique, finalement, qui a vu le jour. Je vais vous donner quelques petites données techniques de ce jeu, bien évidemment, je peux. Un jeu qui est sorti en 2014, hein, tout simplement. Alors, on peut voir complète édition en dessous du titre, Car Mécanique Simulator, complète édition 2014, c'est normal. Il faut savoir que ce jeu, à ses débuts, était sorti sous juste le nom Car Mécanique Simulator 2014. Et il y a eu un DLC qui est sorti dessus, un DLC de 4-4, je crois, oui. Il y en avait même eu deux, des DLC dessus, oui. Et j'ai tout. Ce jeu d'ailleurs il est trouvable hein, à l'heure actuelle sur Steam, même d'autres sites je crois, pour vous l'avez pour 4 fois rien, hein, je crois qu'il coûte moins d'un euro la complète édition, un truc comme ça, enfin vous pouvez vraiment l'avoir à un prix dérisoire, et franchement, pour un premier jeu d'une série de mécaniques, si vous avez envie d'en faire un petit peu, franchement pour débuter il est très bien, hein, il est très bien pour vous faire un petit peu apprendre comment les pièces, les bases du gameplay, avant peut-être de s'en mancher sur des 2018-2021 qui sont récents maintenant, c'est sûr. Mais qui sont beaucoup plus complexes à prendre en main, je trouve, même si, bon, ça reste quand même faisable. Ce 2014, franchement, pour se prendre au jeu et comprendre un petit peu comment ça fonctionne, pour moins d'un euro, vous pouvez, il est franchement génial. Alors, je fais pas ça pour vous dire d'acheter le jeu, hein, attention. Mais, non, c'est un petit truc que je vous dis, parce que oui, il est vraiment pas cher. Hein. J'ai regardé les prix, là, il y a pas si longtemps. Et on en écoute 4 fois rien. Après, à partir du 2015, ça commence déjà à être un peu plus excessif niveau prix. Mais justement, on va y venir. Je fais aussi ça, c'est pour changer un peu de jeu. Parce que même moi, j'ai envie de jouer. Et puis la mécanique, ça me manque un petit peu. Même pas mal. Toutes mes autres séries que j'ai sur la chaîne actuellement. Et puis bon, j'avais délaissé un peu ces cars mécaniques. Ce sont des jeux que j'aime particulièrement. Donc du coup, eh ben, j'ai envie de rejouer dessus. Bon alors du coup, pas de retour. J'en conclus donc que c'est bon. Et puis on va se mettre à jouer. Alors, Car Mécanique 2014. Donc le tout premier jeu de notre licence Car Mécanique Simulator. Actuellement, donc je sais, hein, il y a le 2021. Alors le 2021, pour vous expliquer un petit peu. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tous les Car Mécanique Simulator existant à ce jeu.
Alors, sauf les versions VR. Les versions VR, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Déjà d'une, je veux pas forcément l'équipement pour. Mais en tout cas, ce qui est jeu comme ça sur PC, je les ai tous. Donc, le 2014, le 2015, le 2018, le 2021. Je les ai tous au complet, excepté, je dis bien excepté, le dernier, le 2021. Le 2021, je l'ai un petit peu laissé de côté, justement, même si j'avais, fut un temps, rappelez-vous, lancé une série dessus, que j'ai d'ailleurs un petit peu abandonné, parce qu'il n'y avait pas de visionnage dessus, enfin du moins très peu, à mon goût. Alors bien sûr, au début, c'était à l'époque où la chaîne avait très peu d'abonnés. Maintenant, voilà, c'est un peu plus, donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être quand même possibilité de relancer des trucs. Mais le 2021, ça fait un petit peu comme je le dis souvent sur les séries que je fais, c'est un jeu qui est en développement pour le moment, et même si le jeu de base est fait, j'ai envie de dire, mais ils nous répondent tous les temps des DLC qui remettent au goût du jour, notamment les DLC du 2018, etc., etc. Donc le jeu, pour moi, aujourd'hui, n'est pas complet. Et du coup, bah, 2021, ça m'intéresse pas de le faire, parce que on lance une carrière dessus, on lance une série dessus, et à l'arrivée, il y a tout le temps des trucs nouveaux qui ressortent, et du coup, bah, après, on se dit, mince, si j'avais su, si... Donc du coup, voilà, je préfère attendre, mais par contre, ça nous empêche pas, de faire bah, le 2014, puisque le 2014, je l'ai au complet, et lui, il est fini depuis belle lurette. Le 2015, pareil que j'ai au complet. Et le 2018, pareil que j'ai au complet. Alors, c'est pas vieux, le 2018. J'ai acheté les derniers DLC qui me manquaient notamment celui des camping-cars, qui est un des derniers qui est sorti. Et il me manquait le Hot Rod, je crois. Donc, ces deux DLC-là, je les ai acquis il y a pas très très longtemps. Il y a peut-être moins d'un mois, je dirais. Peut-être un bon mois. Donc, maintenant, voilà, le 2018, je l'ai au complet. Alors, c'est sous réserve qu'il ressorte rien dessus, mais je pense que ce coup-là, ça doit quand même être la fin. Je pense que maintenant, ils sont à fond sur le 2021, et du coup, on devrait plus avoir grand-chose. Là, ils nous ont ressorti, j'ai vu récemment, bah là, c'est juste avant, j'ai regardé cet après-midi, sur la boutique DLC du Steam, sur le 2021, ils nous ont reparlé du... Bah là, c'est le Ford qu'ils vont remasteriser du 2018. Donc c'est cool, hein, moi, je suis assez content qu'ils refassent, justement, qu'ils remettent... Alors, c'est un peu chiant, parce qu'on les paye plusieurs fois, c'est sûr. On est un peu des pigeons, j'ai envie de dire, mais bon... C'est pas si mal après qu'ils ressortent les DLC au goût du jour, je trouve, c'est bien. Puis de pouvoir les repasser d'un jeu à un autre, c'est plutôt cool. Maintenant, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort pour ceux qui ont déjà les DLC d'acquis. Peut-être de se faire une possibilité de les passer d'un jeu à un autre, mais bon, enfin, c'est comme ça. Après, ils en veulent pas si cher que ça, donc bon, ça va, ça reste convenable, je trouve. Bah on va partir. Et donc, en fait, l'idée dans ces lives, alors je vais en faire plusieurs. Ce sera souvent les week-ends, ça va faire en fait guise un petit peu donc d'une nouvelle série, ça va remettre un peu de nouveautés sur la chaîne comme ça. Et puis moi ça va me faire changer un peu de jeu, puisque j'ai des jeux qui ont posé problème comme j'ai dit. Et bah, le but va être en fait d'avancer. Alors le 2014 va pas être long à faire, parce que bah, il est assez court à savoir. C'est que des missions scénarisées en fait, c'est que des missions, il n'y a pas de... Enfin il y aura d'autres trucs plus tard, mais ça on le verra dans le jeu. Je l'ai jamais fait en entier, je l'ai fait déjà bien avancé, il faut savoir de mon côté, mais je l'ai jamais fait en entier. Donc du coup ça va me permettre de le faire en entier. Et puis une fois qu'on aura fini le 2014, alors ce sera sans doute une série qui se fera tout le temps en live, Car Mécanique, à partir de maintenant. Parce que c'est pas dur à faire en live. Et puis comme ça j'ai aussi vous qui pourrez éventuellement participer. Des lives qui se retransformeront après en vidéo bien entendu, donc on va jouer assez longtemps. Et bah là pour ce premier là je pense qu'on va partir sur au moins 2 voire peut-être 3 heures de live dessus. Pour histoire d'avancer un bon coup dessus. Et puis bah, je vous referai peut-être un live sans doute week-end prochain ou celui d'après, on verra bien. Pour bah, avancer une nouvelle fois de plus ce jeu jusqu'à l'avoir terminé. Et puis bah, une fois qu'on aura fini celui-là, eh ben, on passera sur le 2015. Alors d'ailleurs on peut y voir de la pub en bas pour le 2015, hein, il nous propose de l'acheter mais je l'ai déjà. Donc justement on verra. Puis ça permettra justement de voir un petit peu bah, les nouveautés qu'il y a eu de jeu en jeu. Hein. Donc on va commencer par celui-là, on passera sur le 2015 ensuite. Pour voir ce qu'il y a eu comme nouveauté. Vous allez voir que ça aura déjà fait un gros pas en avant. Le 2015, je ne l'ai jamais touché. Mais par contre, j'ai vu déjà des images. Puis je suis déjà allé me promener un petit peu dedans, bien sûr. Histoire de voir un petit peu ce qui ressemble. Il est déjà pas mal. Et puis après, bah, le 2018, on reviendra, bien sûr, sur les vidéos que j'avais fait alors à l'époque. Peut-être que je les supprimerai, les vidéos de l'époque. J'en sais rien. Sinon, je le laisserai, peu importe. Mais je repartirai sans doute de zéro. Parce que ma série, maintenant, que j'ai à l'époque, n'est plus au goût du jour. Et puis, de toute façon, ne correspondrait à plus grand-chose. Donc du coup, voilà, puis une fois qu'on aura fait le 2018, alors bien sûr ça prendra de plus en plus de temps pour chaque opus, mais ouais, sans doute une série qui se fera sans doute tout le temps en live, parce que faire de la vidéo dessus, je sais pas, je suis moins fan maintenant, et du coup, je pense que ce sera aussi bien comme ça. Allez, on est parti cette fois-ci, parce que ça a assez duré, je pense, j'attendais qu'il y ait quelques retours, bon, ma foi, il n'y en a pas,
Donc je fais comme si, ma foi, moi, je tournais une vidéo, et puis ma foi, s'il y a du monde qui nous rejoint, ben, n'hésitez pas à commenter. Il n'y a pas de souci. On va se lancer, donc, dans notre jeu. Allez, on commence, c'est parti. Une belle petite voiture en fond, c'est une espèce d'Opel Corsa, j'ai l'impression. Donc vous voyez, un jouet, j'ai rien, j'ai tout supprimé ce que j'avais, moi, et puis on va repartir sur un profil tout neuf, histoire que vous ne puissiez rien louper. Allez, clac, sauvegarder. Alors on va s'appeler Vivi, bien sûr, hein, comme le nom de la chaîne. Ce sera très bien. On sauvegarde ça. Et on est parti. Cliquons sur jouer. Donc voilà, on arrive ici. Avec donc un mode carrière, hein, c'est ce qu'on va faire. Il y a un mode libre, mais de toute façon qui est bloqué pour le moment. Il faut avoir fini le jeu pour pouvoir le débloquer. Ça m'intéresse pas plus que ça, moi. J'aime pas jouer forcément en trichant. Mode libre, en fait, vous donne accès à tout le garage. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas un gros intérêt, moi, mais bon. Donc on va se lancer sur un mode carrière dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire éventuellement le mode carrière d'un côté, mais vous pouvez également partir sur les DLC, c'est tout à fait possible. Moi, on va les faire dans le bon sens, c'est-à-dire on fera la carrière dans un premier temps, qui est constituée normalement de 76 missions scénarisées. Donc il y a déjà un petit peu de taf, mais bon, vous allez voir dans un live, franchement, il y a le temps d'avancer. Vous allez voir, il y a des missions qui sont hyper courtes. Il y a déjà le temps minimum d'avancer sur peut-être une quinzaine, voire une vingtaine de missions. C'est sûr et certain, je connais vaguement le jeu. Je sais qu'il est pas très très long en soi. Et ensuite, bah, on se fera les missions 4x4 ou le 1/4 miles add-on. Celui-là, je l'ai jamais touché, pour être tout à fait franc, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est une histoire de performance à faire sur les voitures, enfin bref. Ouais. Ce sont les DLC qui étaient existants sur ce jeu, en plus du mode carrière, donc du jeu de base. Et donc il y avait le DLC 4x4 add-on et le DLC 1/4 miles add-on. Voilà, donc nous on est parti sur la carrière. Et puis j'ai envie de dire, let's go. On va faire un petit peu de mécanique. Ah, je suis content, on va me faire du bien. Jouer un peu à la mécanique. Voilà, on arrive dans notre tout premier garage. Et je l'aimais bien ce garage, franchement, moi. Je le trouvais sympa, le tout premier qu'on avait. Je dis pas que les autres sont nuls, mais celui-là, je l'aimais bien. Je sais pas, ça faisait une espèce de grange en bois. Là, c'était sympa. Allez, on est parti avec le tutoriel de démarrage du jeu. On nous dit bienvenue dans le jeu mécanique et tuning simulator 2014. Alors, oui, les traductions, voilà, hein, on va passer outre. Mais c'est comme ça. Non, je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'est. C'est concernant la musique, mais je sais pas, je pense pas que les musiques... Enfin, en tout cas, dans les autres cars mécaniques, c'était pas le cas, donc je pense pas que les musiques soient problématiques. Je verrai bien. Je verrai bien. Donc on va faire le tuto. Le tutoriel nous apprendra les bases du jeu. Vous êtes dans votre premier garage. Bah oui, là, c'est le cas de le dire, on est dans le tout premier garage. Hein. Peut pas être mieux. C'est le garage le plus basique du jeu, mais si votre carrière progresse, vous débloquerez des garages plus professionnels avec des pistes de diagnostic et du chip tuning. Ok. Commençons par le commencement. Allez jusqu'à la radio de l'autre côté du garage et allumez-la. Alors, je sais pas si je vais la laisser allumer, j'en sais rien. On verra bien. Utilisez les touches W. Alors, c'est un clavier. Moi, je suis ZQSD. Hein. Une fois arrivé près de la radio, allumez-la en cliquant sur le bouton gauche de la souris sur l'icône. Allez, on ferme ça. Et puis on va déjà se promener un petit peu là-dedans. Donc voici notre petit garage. Le pont, c'est ça. Hein. Vous allez voir, il est au sol. C'était un peu particulier au début. On a un poster d'une Corvette. Avec pas les licences. Hein. C'est un toile. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Puis ensuite, on va aller chercher la radio pour bah, s'exécuter. Donc on a bien sûr, on y retrouve un PC pour commander les pièces. Et ça, on verra ça tout le long du jeu. Alors, il est quand même légèrement différent. Vous allez voir, je vous dis, à partir du 2015, 2018, 2021, on se retrouve un petit peu sur la même lignée que ce qu'on peut connaître à l'heure actuelle. 2014 est un peu à part, niveau graphique. C'est vrai que graphiquement, il est moins beau. Il est moins beau, et puis on ne sait pas, hein, ça fait plus effet jouet, en fait. À partir de 2015, ça change. Mais bon, c'est quand même déjà cool. La radio, c'est ça. Bon, là, puis il me demande de l'allumer. Donc, on va l'allumer. Ça a marché. Ouais, si c'est bon. Lorsque vous serez prêt à réaliser une action dans le jeu, une icône de description apparaîtra. Nom de l'objet, nom de l'action, ouais, donc le rouage. Vous pourrez ensuite cliquer sur la touche de l'action pour la réaliser. Essayons de faire marcher le cri. Approchez-vous du cri, tableau de bord, et passez à la position supérieure. Le cri vous permettra d'examiner la voiture par dessous. Bah oui. Donc du coup, la musique est activée, ouais. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si le son est bon. Hein. Que si ça gueule ou que c'est pas assez fort, dites-moi-le. Hein. Je peux changer des choses. Bah vous allez voir que normalement c'est la dernière étape du tutoriel. Donc pour lever le cri, c'est ça, espèce de tableau là. Puis le cri, vous allez voir, va monter. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Et il sort comme par magie du sol. Oh, c'était bien fichu, franchement.
C'était bien fichu. Nous avons terminé notre tutoriel. Maintenant, vous savez comment vous déplacer dans le garage et comment utiliser le matériel. Il est temps de se mettre au boulot. Bah oui. Allez, on va au boulot. Alors, ça fera, enfin, ça permettra peut-être à certains qui connaissent pas le jeu, du coup, de le découvrir. Qu'est-ce qui était vraiment tout au début de Car Mécanique. Puis, bah, pour ceux peut-être qui ne l'auraient jamais vu, bah, du coup, ça vous permettra peut-être de le découvrir. Moi, je le connais. Tutoriel, votre premier client est là. Ah, ça y est. La description du travail et les objectifs à réaliser sont énumérés dans la commande de réparation. Donc, c'est ça, hein, c'est le gros cahier qu'on a derrière, là, la feuille. Vous pouvez toujours revenir ici par menu rapide en cliquant sur le bouton droit de la souris quand vous aurez réalisé toutes les tâches. Validez votre travail en tamponnant le formulaire. On n'a pas fini d'en tamponner des formulaires. Voilà, c'est là le coup de tampon repaired. C'est ce qu'il va falloir faire. Alors on va essayer de faire cette carrière au mieux. Vous savoir qu'elle n'est pas très difficile en soi. Alors il y a 2-3 petites choses que moi j'ai jamais vraiment compris. Mais on va y venir justement tout au long de cette vidéo. Et puis ça sera très bien. Au début, je voulais en faire une vraie playlist, une vraie série en vidéo. Mais finalement, je me suis dit, ça va prendre du temps, ça va prendre des jours, ça va prendre... ça va être chiant. Donc je me suis dit, pourquoi pas la faire directement en live. Ça va être aussi bien. Alors, on est parti. Réparation commande, la facture numéro 1, donc notre premier job. Et donc, on a une liste de tâches. On retrouve vraiment les mêmes fonctionnalités, c'est juste que c'est plus ancien, c'est tout. On nous demande de changer les plaquettes de frein avant et de vérifier les disques de frein avant. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ici, on a le détail du véhicule. Donc, c'est une Genesis Stone. Hein, je vous dis, il n'y a pas de licence. L'année de la voiture est de 2006. Manufacture, modèle car. Donc, ça, je pense que c'est cette espèce de numéro là qui est souvent sous le pare-brise là, ou quelque chose. Numéro de la voiture, un petit peu sa carte d'identité. Bah, il y a ça aussi. Hein. Et ici, on a la description du travail. Ce que le client nous dit, en fait. Que le client pourrait nous dire dans la vraie vie. Vous allez voir que des fois, on va tomber sur des ordres de mission. Bah, comme on peut connaître encore une fois de plus sur les prochains. Qui valent le coup, hein. Il y a des fois ça paye, et ce serait vraiment des dialogues que les clients pourraient avoir avec un mécanicien quand ils amènent leur véhicule. Donc il nous dit, pouvez-vous changer les plaquettes de frein avant, vérifier également l'état des disques de freinage, je viendrai récupérer ma voiture demain. Alors dans le jeu, nous on va la récupérer tout à l'heure parce que on va faire plus que d'une voiture, hein. Et la rémunération, donc c'est 500 USD, hein, ce sont des dollars, hein, dans le jeu. Mais bon, on s'en fout. Au niveau de la monnaie, c'est comme ça. Donc, changer les plaquettes de frein avant, vérifier les disques avant. Ok. Enfin, vérifier les disques de frein, Marc. C'est pas que les avant. Peut-être tout vérifier. Alors, vous devez changer les plaquettes de frein. On est toujours dans un tuto, hein, pour cette première voiture. Mais après, c'est fini, hein. Tuto, y a plus. C'est débrouille-toi, mon grand. Hein. Monsieur faisable. Vous devez changer plaquette de frein à l'ordinateur et acheter 4 plaquettes de frein neuves dans la boutique d'accessoires auto. Alors vous allez voir la gueule des pièces, c'est comique, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et là, je sais pas si vous avez bien fait gaffe, ils nous disent bien d'acheter 4 plaquettes. C'est pas des jeux de 2, hein. Ce sont bien que une plaquette à l'unité. Donc voici la voiture, je pense, une Opel Corsa. Hein. Je pense. D'ailleurs, vu le logo, ouais, c'est sûr, c'est une Opel Corsa. Ça. Bon, peu importe. J'aime bien après trouver ce que c'est comme voiture, mais... Ma foi, on s'en fout. Donc, on va écouter ce que le tutoriel nous a dit. On va aller à l'ordinateur. De toute façon, on n'a pas le choix. Et on va aller dans le magasin de pièces auto. Donc, il y a peu de choses à l'écran. Très, très, très peu de choses. On a notre solde bancaire ici, qui est actuellement donc de 700 USD. Donc, il faut qu'on soit très prévoyant et qu'on soit très attentif sur ce qu'on fait quand même. Surtout au début. Après, ce sera beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, à partir d'ici, justement... À partir de l'ordinateur, donc il y a plusieurs possibilités. Donc le magasin de pièces détachées, on va y aller juste après. On a des pièces usagées. Moi personnellement, j'ai jamais vraiment trouvé l'utilité de ce truc-là. En tout cas dans ce jeu-là. C'est un petit peu ce qui faisait office de casse. De pièces d'occasion. C'est comme ça que je le comprends. Donc on y retrouve des pièces, c'est pas toujours les mêmes, j'ai pu remarquer. Elles coûtent moins cher, c'est sûr. Maintenant peut-être qu'il y a des clients qui sont moins exigeants. En tout cas, bien souvent, ils nous demandent des pièces neuves. Donc, c'est pour ça que le truc occasion, moi, j'ai jamais compris vraiment son utilité. Mais bon, j'ai même envie de dire, il y a une autre chose que j'ai jamais vraiment compris son utilité. Bah, c'est tout ce qui est en dessous. Parce que le manuel. Alors, le manuel, quand on le voit comme ça, on se dit, bah oui, c'est pour prendre des niveaux dans le garage et avoir peut-être plus de matériel. Franchement, ça change strictement rien. Vous n'allez pas avoir plus d'équipement en prenant des levels. Donc je sais pas. La seule chose qui change, effectivement, c'est les revenus. Les revenus, on en a plus en prenant les levels.
Après, ça, effectivement, ça change. Ça, ça change. Et alors, la dernière, 10% de chance en plus pour la réparation réussie d'une pièce. C'est pareil, moi, j'ai jamais vu de changement. Mais bon, enfin, c'est dans le jeu. On essaiera de l'utiliser quand même. Mais c'est vraiment, je trouve, un peu tiré par les cheveux. C'était pas très au point, en tout cas, j'ai l'impression, au début. Maintenant, peut-être ça l'est plus dans les prochains, c'est même sûr. Mais sur le premier, c'était pas au point. Et alors, le crédit, bah, il nous propose de faire une demande. Alors, je pense que c'est si on se fout dans le rouge niveau argent et qu'on aurait pu de quoi s'acheter les pièces, qu'il y a cette possibilité-là. Mais vous allez voir que normalement, techniquement, moi, j'en ai pas besoin. Donc, c'est pareil, je comprends pas trop l'utilité de ce truc. Si vous êtes un minimum attentif à ce que vous faites, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Le prêt, vous n'en avez pas besoin. Donc je sais pas. Bon, allez, on est parti pour s'acheter des plaquettes. Le jeu nous avait demandé ça. On va bien sûr aller dans les pièces neuves, hein, puisque de toute façon, je suis pas sûr qu'on trouverait des plaquettes dans les pièces usagées. Donc, voici les pièces. Alors, attention à la traduction. Hein. Il y en a qui sont un peu particulières. Il y a très peu de pièces. Hein. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Elles sont par ordre alphabétique. Donc, nous, il nous faut 4 plaquettes de frein. Alors, allons-y. Le trier de frein juste là. Bon, les pièces étaient particulières. Hein. Après, bien sûr... Ah, elles sont là, les plaquettes de frein. Ça coûte 50 balles une plaquette. Hein. Donc, oui, il m'en faut 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Tutoriel continue. Allez à la première roue et commencez le démontage. Enlevez la roue en dévissant les boulons. Puis enlevez l'étrier de frein pour avoir accès aux plaquettes de frein. Bon, oui, c'est classique. Hein. Donc, on est parti. Donc, normalement, j'ai bien... 4 plaquettes de frein dans mon inventaire. 4 plaquettes toutes neuves. Allez, c'est nickel. Donc oui, clic droit de souris, on ouvre ça, le menu rapide. Donc on y retrouve d'ailleurs notre ordre de réparation. Donc, voilà, rien de particulier. On peut également cacher, montrer la carrosserie. Alors, je vais pas beaucoup m'en servir, je dirais même que je vais jamais m'en servir, parce que réellement, on n'a pas trop normalement ce truc-là. Et puis bon, j'en ai pas vraiment besoin. Et même l'état des pièces, on peut le mettre en... comme ça, en subvention. Vous voyez, on a... Alors, il faudrait tester certaines pièces. Il y en a qui ne le sont pas. C'est pareil, je m'en sers en général pas. Pas dans ce jeu-là, en tout cas. Puis de toute façon, même dans les prochains, vous verrez. Parce qu'en général, j'ai tendance à jouer au jeu en mode un peu expert après. Et j'ai envie de dire, bah, celui-là est déjà un peu en mode expert, comme il est configuré. Et comme je fais. Parce que je trouve que ça met beaucoup plus de difficultés au jeu. Et puis on s'y croit vraiment un peu plus en fait. Donc je trouve que c'est pas plus mal. Alors bien sûr on utilise quand même les possibilités qu'on a avec notamment la loupe, tout ça, mais on va le voir justement juste après. Allez, on est parti sur la roue bah, d'ici de droite, donc le pneu, tac. Normalement le tutoriel va continuer. Vous pouvez faire 3 actions principales dans le mode mécanicien. Démontage des pièces, montage des pièces. Vous voyez, on retrouve vraiment les mêmes fonctionnalités que ce qu'on peut connaître maintenant. Hein. Je vous apprends rien hein, et le jeu non plus. Hein. Si vous avez joué à celui-là, vous n'êtes pas perdu sur les autres. Vérification de l'usure des pièces, c'est la loupe. La barre d'icônes dans le coin en haut à droite de l'écran montre quelle action est activée. Ici. Donc là, on est en démontage. Pour changer d'action, ouvrez menu rapide en cliquant sur le bouton droit de la souris et choisissez une autre action. Alors, c'est un peu dessus, mais vous voyez, si je vous montre... Alors, c'est un peu... Je peux pas. Restons en mode démontage, nous devons enlever les vieilles plaquettes de frein. Commencez par dévisser la roue et l'étrier de frein, puis enlever les vieilles plaquettes. Okay. Donc, si vous voyez, si je veux changer, je vais là. Mode montage. Bah, il veut pas s'y mettre. Non, bon, c'est pas grave. Parce que je pense que je peux pas le faire, j'ai rien à remonter. Ok, allez, on dévisse. Oh. Voici la clé. Dévisse la roupette. Alors, Daniel, bah, t'as pas levé ta voiture. Eh oui, mais c'est normal. Regardez. Dans ce car mécanique 2014, il y a un cri qui se met sous la voiture. C'était pas si mal que ça, je trouve. Donc bon. Pas. Alors on va lui vérifier les 4 disques de frein hein, puisque se demandait de vérifier les disques. Il dit pas forcément de vérifier que les plaquettes avant ou les arrière. On va vérifier les 4. Alors mode démontage. On va vérifier même le disque tout de suite. Je vais dessus, tac. Il est à 62%. Ça va. On peut même vérifier les trier, ça n'a pas été demandé, mais on peut le faire. J'ai peut-être même accès aux plaquettes hein, en vérification. Ouais. Ah oui, elle est rouge celle-là. 11. Alors, on va essayer de faire les choses convenablement. Je vais peut-être l'avoir par l'intérieur. Non, je pourrais pas. Alors, on essaie de... C'est comme si on faisait un contrôle visuel. Hein, là, c'est pas compliqué. Hein. Visuellement, on pourrait très bien vite voir si c'est bon ou pas. Alors... Allez, j'y ai accès. Je peux pas la prendre.
Bon, on va faire autrement. Essayer de me mettre par là. Pas toujours évident. Bon, tant pis. On va démonter l'étrier et puis... Puis on y aura accès. Allez, lire-moi ça. Voilà, on a accès à nos plaquettes. 11%. Alors là, démontant, il va la vérifier aussi. Tac. Bon, apparemment, elle était foutue aussi. Formidable, vous venez de démonter les vieilles plaquettes. Alors après, je vais aller beaucoup plus vite hein, pour les prochaines missions. Là, c'est parce qu'on est sur la première et puis je prends le temps de vous montrer quelques trucs. Mais après, on va accélérer la cadence. Le but va être de le faire quand même assez rapidement. On vient de démonter les vieilles plaquettes de frein. Il est temps de monter les nouvelles. Aller au mode montage et monter les nouvelles plaquettes. Oui. On a vérifié le disque, donc on peut monter. Allez, mode montage, tac. Et on y en met des neuves. Hop. Et puis une deuxième. Je vais baisser un peu le son de celui-là. Voilà. Ça devrait être bon. Alors, encore une chose. Vous rappelez-vous que le client vous a demandé de vérifier ses disques de frein? Oui, je sais. Allez au mode vérification et sélectionnez le disque de frein pour le vérifier. C'est déjà fait, mon grand. Si vous connaissez l'état des pièces, vous pouvez commencer à réparer. Rappelez-vous que toutes les pièces ne peuvent pas être vérifiées manuellement, effectivement. Certaines nécessitent l'utilisation d'autres méthodes, le scanner OBD, l'essai routier, ou bien piste de diagnostic. Mais ça, on verra plus tard dans le jeu. Ne vous en faites pas. Allez, on remonte ça, puisqu'on a vérifié le disque. Et puis, bon, on va d'ailleurs même pouvoir lui remonter la roue. De ce côté-là, on est bon. Hop. Allez, c'est parti. On va passer sur la roue d'en face. Non, sans souci, je me fais au moins... en 2 heures de temps, je me fais au moins 15 missions. C'est sûr et certain. J'en suis certain. Je connais le jeu sur les premières missions. Elles sont pas très dures. Sans souci, on se fait minimum 15 missions aujourd'hui. C'est sûr. Et peut-être même qu'on arrivera à en faire plus. Allez, on a enlevé la roue. On va vérifier le disque tant qu'on est comme ça. 63, ouais. Je vérifie ça tant qu'on y est. Les plaquettes, on va pas s'embêter. De toute façon, faut les enlever. Donc, on va les enlever directement. Les étriers sont en très bon état. Hein. 95. Ok, celle-là, elle était à 10%. On le voit en bas. Pièce ajoutée. Tac. On remet les neuves. Voilà, on peut estimer un petit peu qu'on est engagé comme mécano. Hein. Ou alors on a ouvert notre petit garage clandestin. Dans notre grange. Ma foi, on fait notre beurre comme on peut. Puis on évoluera bien sûr dans les prochains opus. Je vous prévois plein de choses hein, sur les prochains. À partir de 2018 en tout cas. Bah, c'est déjà des choses que j'avais prévues un peu à l'époque. Et du coup, bah oui, je peux même pas aller vérifier les arrières parce que le truc me dit que c'est fini. Félicitations, vous avez réparé votre première voiture. Il y en aura beaucoup d'autres. Si vous voulez terminer les... Je vais quand même regarder si ils disaient pas que les disques de frein avant, parce que j'ai quand même un doute. Si vous voulez terminer la mission, ouvrez formulaire de commande depuis menu rapide et tamponnez le formulaire. Ah, c'est le coup de tampon, j'adore le faire. Tac. Alors, je voudrais vérifier si... Ah bah non, c'était bien les disques de frein avant, donc du coup, il n'y a pas besoin de regarder l'arrière. Eh bah écoutez, on met un coup de tampon, et puis on valide cette première mission. On dit au revoir à la petite Opel Corsa bleue, qui ma foi a l'air d'être en état. Oh, tiens, je peux vous montrer juste, ouvrir le capot, regarder un petit peu ce que ça ressemble là-dedans. Oh, les moteurs étaient très simples. Vous allez voir, les moteurs, on a accès à des choses, mais pas à beaucoup de choses. Hein. Contrairement à ce qu'on peut connaître maintenant, c'était plus que simple. Mais bon, on va bien en faire de la mécanique moteur, ne vous inquiétez pas. Bah voilà, allez. On tamponne ça, la voiture va dégager. Paf, on a récupéré notre argent. Salut Nicolas, coucou. Comment on va? Bah comment on va? Écoute, ça va. On fait aller. On est sur un jeu... je suis sur un jeu de mécanique. J'espère que ça te fait plaisir. Donc je suis sur le 2014, hein, je sais qu'il y a beaucoup plus récent. En tout cas, ça va. J'espère que toi aussi. Bien, facture numéro 2. Allez, on enchaîne. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va se virer les pièces un peu au fur et à mesure, parce que sinon ça va être vite le souk. Puis qu'on sache un petit peu que c'est qu'on en est. Alors, les plaquettes, mais ça nous fait même encore un petit peu d'argent. De toute façon, elles vont pas nous être utiles bien grand chose. D'autres, donc on les dégage. Allez, zou. On a une nouvelle voiture, cool. Alors, voyons voir ce qu'on nous demande. Allez, maintenant on est parti, on enchaîne.
les missions. Donc, facture numéro 2. Alors, le détail du véhicule sur cette voiture-là, il n'y a que sur celle-là que ça le fait, je le sais. On n'a pas de détail. Alors, est-ce que c'est un bug au niveau du jeu? J'en sais rien. Ça nous dit AIS et c'est tout. Pour moi, c'est une Golf. Pour moi, hein, j'en suis même quasiment sûr. C'est un semblant de Golf. Hein. C'est sûr, très joli. Mais bon, je pense qu'il importe le plus, j'ai envie de dire. Tant que la voiture est en état de fonctionner au niveau mécanique, c'est ce qui compte. Très rapide à faire, hein, cette facture. Changer le filtre à air, changer le filtre à huile, changer le filtre à essence. C'est du full filtre. Ça va prendre vraiment pas beaucoup de temps. J'ai changé mes filtres il y a plus d'un an. Pouvez-vous les remplacer à nouveau? Pardon. Il va nous payer 300$ pour ça. Eh ben, ma foi. 300$ pour des filtres, je prends. On va regarder la gueule des filtres. Sachant qu'on doit tout pouvoir faire par le dessus, il me semble. Non, pas le filtre à essence. Parce que le filtre à essence, c'était la particularité sur ce 2014. Vous allez voir, il est un peu planqué. Filtre à air, bah, il est là-dedans. Hein, donc, de toute façon, il va falloir qu'on ouvre ça pour vérifier. Filtre à huile, il est là. Il est un peu planqué. Donc, pareil, on va vérifier les états avant. Je vais lui soulever la jauge, tiens, juste pour voir la gueule de son huile. Bon, ça va, il est entre le moitié et le mini. Bon, on va pas s'amuser à refaire les pleins. Hein, mais à un moment donné, ils n'ont qu'à nous le demander. Et puis, c'est tout. Mais écoutez, je vais commencer par démonter le filtre à air. Allez. Donc, pour avoir accès à ça, il faut qu'on démonte ça pour démonter ça. Allez. On va virer la durite, là. Virer ce bazar-là qui s'appelle le débitmètre. Comme ça, on va avoir accès à notre filtre à air. Allez, on commence un petit peu à démonter plus de choses. Et ça va être de pire en pire. Voilà le filtre à air. Alors, on peut lui foutre un coup de loupe. Histoire de regarder la gueule qu'il a. 11%, ouais. Et ben, on sait à quoi s'attendre. Allez, un filtre à air tout neuf pour madame. Ensuite, tant qu'on est dans le compartiment moteur, on va regarder le filtre à huile. Alors, il faut qu'on enlève ce petit couvercle. On va foutre pareil un coup de loupe. Ici, il est à 23%. Ouais, ça va. Je pense qu'il aurait encore pu tenir un peu. Déjà, il aurait fallu faire une vidange pour moi, mais bon. Il a demandé le filtre à huile, on va pas se préoccuper. On va remonter les deux trucs qui sont ici tant que c'est ouvert. Comme ça, je remets le tout, paf, on ferme le capot, je lève la voiture, on va au filtre à essence. Filtre à essence sur le 2014, en tout cas sur la plupart des voitures, ce que j'ai pu vérifier, il est à l'arrière. Il est à l'arrière au niveau du réservoir, donc il faut qu'on lève la voiture pour ça. Bah, je vais le commander tant que je suis là. Donc, pièce neuve, bien sûr. Et on va au filtre. Alors, filtre à air, filtre à essence, filtre à huile. Bon, on va pas beaucoup se tromper parce qu'il n'y a pas 50 000 modèles. Hein. Donc, c'était ça qui était bien dans le premier, c'est que tu pouvais guère te tromper. Ah, il y a quelques pièces quand même en plusieurs exemplaires, mais en tout cas sur les filtres, c'est les mêmes. Donc, on veut ça. Ça coûte 35 balles. Il nous faut un à essence, qui est un peu plus cher, et un filtre à huile. Voilà, il nous reste encore 650. Ok, bah j'ai tout ce qu'il faut. On est parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. On se met en mode montage. On va recommencer par ici. Hein. Le 9, bien sûr. Alors, on pourra réparer des pièces. Mais pour le moment, je sais que c'est pas possible. Donc, je vous le montre pas. Par contre, je sais qu'il y a des pièces qu'on peut. Le filtre à air. Tac. On remet le couvercle. Tac. Voilà, le but, ça va vraiment être d'enchaîner les voitures. Hein. Oh, ça fait du bien de faire un peu de changement de jeu, là. Mécanique, c'est quelque chose qui me manquait sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai abandonné ça. En plus, j'avais des concepts hein, que j'avais pensé à l'époque, que je voulais faire, et puis qui finalement sont tombés à l'eau parce que, bah, par manque de temps, hein, tout simplement, après. Puis je vais relancer d'autres séries, donc forcément, ça a posé problème. Il y a un moment, ben maintenant, j'ai envie de plus de me préoccuper sur ce que j'ai envie de jouer, sachant que j'ai eu pas mal de soucis dernièrement sur les playlists en cours. Hein. D'ailleurs, ça fout un peu encore le zbeul, mais bon, j'arrive à solutionner les trucs. Alors Pokémon, la solution, elle va être vite trouvée. Pour ceux peut-être qui veulent savoir, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais pour ceux qui verront la diffusion, peut-être. Ben, j'ai déjà commencé, de toute façon.
C'est pas compliqué, hein. De toute façon, je suis en train de refaire le jeu. Donc, j'ai pas le choix, la sauvegarde ne veut rien savoir, et puis de toute façon, j'ai même envie de dire, elle est plus existante. Donc, j'ai pas le choix. Donc, j'en ai pour quelques mois, j'essaie. Là, j'ai déjà refait 5 épisodes. Alors, c'est juste du tournage pour moi. Hein. Je reprends en fait la playlist que j'ai sur l'ordi, puis je refais le jeu. Pour refaire le jeu, et puis revenir, j'ai 65 épisodes à refaire. Donc, je prends des disponibilités, enfin, je prends des... Comment ? Je prends des précautions, voilà, avant de me lancer. C'est-à-dire, j'ai fait... tous les deux épisodes, à peu près, je fais une copie de ma sauvegarde. Et puis, pour le moment, ça fonctionne, donc tant mieux. Non, attention, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Le filtre à essence, il est là. Donc, on va le regarder. Mais de toute façon, vu la tête qu'il a, ouais, 15%. On le retire. Et on met le 9. Donc ouais, Pokémon, ça reviendra quand je serai à l'épisode 65 et que je pourrai vous les remachiner. Donc ouais, je vous dis déjà en l'affaire d'un mois, puisque là c'est pas comme avant, je vais aller beaucoup plus vite, c'est sûr. Bon, même après si j'ai le tournage des autres. Et les noirs, je suis toujours bloqué pour le moment, je sais pas comment je vais solutionner ça. Je suis même en train de me dire est-ce que je vais vraiment le continuer parce que ça me prend le chou. La dernière vidéo que j'ai tournée, c'était une calamité, donc je sais pas. Ça va sûrement être une playlist qui va peut-être partir aux oubliettes. Il y a des chances, malheureusement. Je vais essayer de trouver une solution, hein, mais malheureusement, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Et puis les autres, ça va revenir. Gold Rush, ça arrive mardi, normalement. Et puis, puis après, on repart sur le mois de mars, de toute façon, avec Medieval qui, elle, est déjà tournée en grande partie. Farming qui va faire son apparition, alors... Peut-être qu'à partir de la mi-mars, par contre, hein. pas de début, parce que je voudrais prendre un petit peu plus d'avance dessus, sur le jeu, avant de commencer à publier. Et puis, après les Sims, c'est du live, bien souvent, donc ça arrivera un petit peu de temps en temps, comme Cœur Mécanique, je vais sûrement varier. Puis il y aura peut-être même des autres lives, je sais pas. Allez, normalement on a fini, hein. On va vérifier. C'était la deuxième mission, ouais, ça nous met des petits V, vous voyez, quand on a fait. Donc, filtre à air, filtre à huile, filtre à essence, on est bon. On a... Le tampon, paf! Oui! Allez, on enchaîne. Troisième voiture. Donc voilà, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qu'il y a eu. Et puis surtout, j'ai récupéré du temps. Là, donc, là c'est cool. Je vais pouvoir m'occuper un peu plus du tournage. Alors, voiture numéro 3. C'est une Refton Van. Aux ors, c'est une espèce de partenaire. Qui est 2008. Là, on a bien les infos. Alors, le client nous dit « Quand je roule sur des routes accidentées, j'entends du bruit au niveau de mes roues avant. » Ah, ça va déjà être un peu plus complexe, là. « Vérifier la voiture et remplacer les pièces usées. 300 balles. Faut que je vide mes pièces de la voiture d'avant. » Alors, ça nous dit « Effectuer un test d'essai routier. » Une nouvelle chose qu'on va voir. Et remplacer toutes les pièces usées. Donc là, vous voyez, on est déjà un petit peu plus... Enfin, on est plus à se débrouiller. Hein. On nous donne moins d'informations. Ok, donc un test d'essai routier. Donc, vous voyez, c'est un partenaire, un berlingot, je sais pas, un truc dans le genre. Donc, t'as des problèmes devant. Alors, je vide mon inventaire, tant que j'y pense. Filtre, ça se répare pas. Filtre, ça se répare pas. Filtre, ça se répare pas. Pardon. On fera une... On va regarder les améliorations, peut-être après cette voiture-là. J'attends d'être en gros à 1000$. Même si j'y suis peut-être déjà, mais... J'attends de commander ces pièces-là, puis on regardera après ce qu'on peut faire. Notamment, peut-être se faire un peu de réduction sur les pièces. Etc. Alors, pour l'essai routier... Il faut aller tout simplement ici, sur la porte, et on va aller faire un essai sur la piste, tout simplement. On va prendre les commandes de la voiture et puis on va faire les essais qui doivent être faits. Alors je crois qu'on peut se mettre en vue extérieure, mais en vue extérieure c'est compliqué je trouve. Donc on va se rester en vue intérieure. Alors on a une liste de contrôle à gauche avec une piste, hein. On en a de la chance. Faut qu'on fasse un essai d'accélération, ensuite de freinage, de slalom et de test de suspension. Voilà, et ben allez c'est parti. Alors c'est un peu archaïque la conduite, hein. Et puis les voitures font beaucoup de bruit. Donc là on est sur le test d'accélération. Il faut aller jusqu'à la zone verte. Tac. Là on pense à tourner, sinon ça tourne pas. Oh. Oups là, oups là. Et maintenant on va faire le test de freinage. Voilà, l'accélération est validée. Donc là faut s'arrêter dans la zone. Voilà, c'est validé, c'est bon. Puis on n'aura pas vraiment de rapport de pièces. Alors juste ça va nous trouver des pièces. On aura fini, quand on va revenir au niveau du garage, mais ça ne nous dira pas, il y a telle pièce qui est abîmée. Après, c'est à nous de chercher. Là, en train de faire le slalom. Enfin, c'est pas évident, hein, la conduite au clavier. Je vous
vous le dis, je m'en tire pas trop mal. Ouh, ouh, ouh. Et maintenant, on va faire les suspensions. Et aller dans la dernière zone pour mettre fin au test. Voilà, le test routier, c'est ça. Mais vous verrez qu'on aura d'autres trucs plus tard dans le jeu, quand on aura avancé un peu plus. Allez. Le kangou est revenu, là. Donc du coup, si on regarde ici, le test est réalisé. Donc c'est bon. Donc on va bien relire ce qu'il nous avait dit. Il nous dit, quand je roule sur des routes accidentées, j'entends du bruit au niveau de mes roues avant. Peut-être sans doute les... Bah déjà, c'est au niveau des roues avant. Donc on va quand même vérifier. Mais peut-être au niveau de ses suspensions. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Alors on va se mettre comme ça. Et puis on va regarder. Vous voyez les pneus, 62%. Le test routier a dû les vérifier. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a eu de vérifier justement. Ça, ça n'a pas été fait. Ça oui, 23%. Donc a priori, ça peut être une des causes du problème. Ça, ça a été vérifié. Les cardans, ils appellent ça des joints, eux. Mais c'est des cardans. Ici, la rotule, ils appellent ça une crémaillère externe de direction, c'est cuit. Là, 79, donc c'est pour ça le problème. Donc on va y enlever la roue, et puis on va enlever cette rotule, et puis cette... des biellettes, ça, normalement. Ils appellent ça un conjoncteur de la barre stabilisation gauche, ok. Et puis ça peut des fois être des conneries comme ça, mais a priori, ils n'ont pas été testés, donc... Bon, écoutez, on va enlever la roue gauche. Je vais quand même passer un petit coup de l'autre côté, voir s'il n'y a que la roue gauche ou s'il y a les deux. Alors on fait un... Ah non, c'est bon. Là, par là aussi, 12%. Bah, celle-là, elle est même encore plus capoute. Là, c'est bon. Et là... Ah, bah, celle-là, elle serait bonne. 61%. Donc, a priori, il faudrait deux conjoncteurs. On va virer les roues. Puis, on va regarder ça. Mais d'ailleurs, ils nous payent peu cher, je trouve, pour ce qu'on va faire. Bon, après, les pièces coûtent peut-être pas si cher que ça. Ça teste les freins, du coup, la piste. Regardez, j'ai déjà les... Ah ouais. Bon, ok. Tiens, je pensais... si t'es toujours présent, Nicolas, je sais qu'en général, toi, tu es assez... Enfin, t'écris dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si les sons sont bons au niveau du jeu et puis de ma voix. N'hésite pas dans le chat à me dire si c'est ok. Si c'est trop fort, bah c'est fort. Enfin, s'il y a quelque chose à régler, parce que ça peut encore se faire. Je sais pas si t'es toujours présent. Ou si c'est quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est sûr. Bon, alors de ce côté-là, il y aurait que ça. On va virer cette roue-là, puis on fera les achats après. Attention, après, si vous voulez voir si la mission est validée, il suffit juste de retourner dans la checklist. Dans l'ordre de mission, et puis ça vous dit... Donc virons ce conjoncteur. C'est bien, on peut y faire du sol, il n'y a pas besoin de monter la voiture. C'est cool. Alors ça fait très longtemps que je l'ai fait, ce jeu. Bon. Ben, je me rappelle bien, hein. Enfin, ça fait longtemps sans plus, hein. C'est pas si vieux que ça. Mais voilà quoi. C'est l'appareil à gouverner, c'est la crémaillère, clairement. Ça, c'est en bon état. Bon, bah, écoutez, on est pas mal. Je pense qu'on va partir sur cette idée. Est-ce que je jetterai pas un petit coup d'œil quand même derrière, juste visuellement, voir ce que ça ressemble. Bon, ça me paraît pas abîmé derrière. Bon, c'est bon. Allez, on va commander ce qu'il faut. Alors, peut-être qu'on pourrait regarder quelque chose. Donc, il faudrait un conjoncteur droit, un conjoncteur gauche, et une crémaillère de direction. Est-ce qu'il y aurait des pièces qui se réparent? Parce que dans ce jeu, on pouvait déjà faire ça. On va aller vers l'établi. Non, elle se répare pas. C'est pour ça que je vous dis, l'histoire de l'établi, moi je pige pas trop son utilité, mais bon. J'ai jamais vraiment compris. Alors, on est parti. Pièces neuves. Après, peut-être qu'il accepte des pièces d'occasion, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des pièces d'occasion, juste pour vérifier, mais... Il y en a. Une droite. 15 balles. Ouais, mais elle est foutue pour moi. De toute façon, il n'y a même pas tout à l'arrivée. Bon, on va partir sur de la pièce neuve, ça va être bien mieux. Enfin, on peut s'en sortir avec de la pièce neuve sans souci. Alors, les conjoncteurs. Oui, parce que des fois, faut pas chercher le mot que vous pensez. C'est pensez bien au jeu. Conjoncteur, barre droite. Attention, il m'en faut une de chaque. Ça coûte 50 balles, cette merde. Voyez, il va vraiment falloir qu'on baisse les tarifs. Hein.
tout cas pour nous avoir les pièces. Et il me faut une seule crémaillère de direction. Oui, mais je suis trop bas là. Crémaillère. C. Ah, il n'y a pas de crémaillère. On passe directement au débitmètre. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je vais descendre encore un peu. Ah, après. Ah, bah elle est là. Ah, parce qu'elle est rangée dans la crémaillère. Oh la vache, bah dis donc. Ah, faudra qu'on y fasse gaffe. Ah, ouais, regardez, l'alternateur. Oh mon dieu. Le couvercle. Putain, les noms, les traductions. Ouh. Vivement les prochains. Hein. 100 balles? Ah, bah putain. Pour un machin comme ça? Bah dis donc, ils se font plaisir. Hein. Oulolo. Et on va falloir se méfier. Bon, j'ai normalement tout ce qu'il me faut. 1, 2, 3. Allez, on va commencer de ce côté-ci. Donc j'espère qu'on n'aura rien oublié. On va remettre ça. Clac. Donc la fameuse crémaillère qui coûte 100 balles. Ah bah, l'intérêt de bien fonctionner hein, ce prix-là. Hein. Coûte pour 100 balles réellement un truc comme ça quand même. Et puis là, bah, une roue. Hein. Ah, j'en reviens pas. Voilà. D'ailleurs, les roues, tiens, il me semble qu'au passage, c'est un ensemble. Hein, roues jantes. Je crois qu'on ne pouvait pas démonter les jantes. D'ailleurs, on n'a pas de machine hein, pour les pneus. Peut-être plus tard, mais je crois pas. Hein, je crois que c'est un ensemble. Je me souviens bien. Hop. Bah, c'est les mêmes mécaniques hein, après. Hein, c'est, la même, c'est vraiment la même chose que les autres. C'est juste, voilà, c'est plus vieillot. Hein. Avant de remonter la roue, est-ce que c'est bon? Eh ben oui, c'est bon. Remplacer toutes les pièces usées, j'ai accès au tampon. On va peut-être quand même lui en mettre sa roue. Ce sera mieux. Clac. Eh ben voilà, cette voiture-là est terminée. Ça ressemble sous le capot. Elles ont toutes les mêmes moulins en plus, c'est ça qui était dommage. C'est vrai qu'ils avaient quand même, ils ont quand même vachement bien amélioré le truc après. Eh bon, c'était les débuts, hein, que voulez-vous. Et en 2014, hein, les gens, à ce moment-là, hein, donc... Ça date un petit peu, c'était déjà novateur pour l'époque. On tamponne, on passe à la suivante. Donc ça va nous faire 300 balles en plus. J'ai dépensé pour... Eh, j'ai dépensé pour 200 du coup, parce que 100 plus 50 et 50, eh ouais. Faut qu'on regarde si on peut pas faire une amélio. Au moins pour que ça nous coûte moins cher. Ou qu'on gagne plus d'argent, mais faut qu'on fasse quelque chose. Effectuer un scanner OBD sur la Vulcan Family de 2011. Pouvez-vous vérifier l'ordinateur de bord? Je voudrais savoir s'il ne signale aucune erreur. 300 balles. Ouais, bah ça devrait aller. Par contre, est-ce que je l'ai, le scanner OBD? J'en sais rien, moi. Ça, je vais le virer. De toute façon, je peux pas les réparer. Toujours nous faire 4 sous en plus. Hop. Scanner OBD. Alors, je voulais regarder déjà s'il n'y a pas moyen quand même. Et je suis à 1092. Alors, on va aller dans le manuel et on va regarder ce qu'on peut faire. 10% de revenus en plus. Ça coûterait 500 balles. Ah putain, quand même. Et 2% de réduction chez le concessionnaire automobile. Le concessionnaire automobile? Il me semblait que ça faisait des... En fait, il faudrait faire le test. Attendez voir. On va regarder là. Le prix d'un amortisseur, un exemple. Il coûte 100 balles. Donc, je vais pas l'acheter. Hein, non. 100 balles. Si je fais le manuel, on va essayer. Hein. 500 balles, il va me rester 500. Ah, quoi qu'il va me redonner 300, le gars. Là. Sinon, il faut que je fasse celui-là. On va essayer le 10% de revenus en plus. Allez. Parce que là, c'est 10% de chance en plus pour la réparation. Allez, on va commencer par celui-là. On est niveau 0. Outils dans le garage pour 500. Ça, moi, je vous avoue que les niveaux, là, j'ai jamais compris. Hein.
Enfin, à l'époque, moi, ça avait été une grande interrogation. Il me semble que je les avais tous et que je trouvais pas qu'il y avait de grands changements, mais bon. En tout cas, ça te prend bien ton argent, y'a pas de problème. T'es niveau 1 maintenant. Et la prochaine coûte 1000 balles d'ailleurs. Donc, théoriquement, 10% de revenus en plus, c'est bien marqué comme ça. Hein. Devrait toucher 330 sur cette. Sur cette mission là. Ouais, 10% de revenus en plus. On va voir. Hein. Alors, scanner OBD, comment que ça va se passer? Que je retrouve un petit peu comment ça se joue. Effectue un scanner OBD. L'ordinateur de bord. Ouais, mais l'ordinateur de bord, t'es gentil, mais. Je fais comment mon scanner OBD, moi? Montage consommation. Ouais. Parce que dans les nouveaux, c'est tu prends l'appareil et puis tu branches et puis voilà quoi, mais. Là. Il y avait cette possibilité là, oui ça y est, je crois que je me souviens. Porte intérieur, bon ça va pas donner grand chose si. Ah OBD. Ah regardez donc. C'est bien ce qui me semblait. Vérifier les erreurs. Bah oui mais j'ai pas l'appareil. Ah bah si. Ah bah si. Alors c'est le OBD Reader 300 Pro. 25, 67, 100% checking error. Attention ça va péter. Finalizing. Ok, mais ça te dit pas s'il y a des problèmes. Encore une fois. Alors, là-dedans. Effectuer scanner OBD, c'est réussi. Donc du coup, je saurai que le scanner OBD faut monter dans la voiture, c'est bon. J'ai le tampon. Remarque, après, il nous l'a juste amené. Il veut juste savoir si l'ordinateur ne signale aucune erreur. A priori, il n'y en a pas. Ou alors il y en a eu, mais à nous de lui dire, ben il y a ça. Eh ben ma foi, c'est un monospace. C'est un fort de quelque chose. Galaxie peut-être, un truc dans le genre. Je dirais. Ça y ressemble. Bon, pas ma foi, si c'est réussi qu'on a 300 balles comme ça. Hein. Moi je veux bien. Alors est-ce qu'on va toucher 330? Est-ce qu'on va voir? Devait être à 592, je crois. Ah bah attendez, mais il y a un souci, là. Argent reçu pour le travail, 100 USD. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah oui, j'ai reçu que 100. C'est de la couille en bâton, votre truc, là. Non, mais ils sont sérieux. L'autre, il me dit, je te paye 300 balles pour le truc, il m'a donné que 100. Et en plus, j'avais normalement 10%. Eh, c'est une grosse arnaque, hein. Je vous ai dit que c'était un souci, ces bouquins-là. Moi, je vous dis, j'ai jamais compris, hein. Maintenant, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Jolie. Peut-être une... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le nom qu'il lui donne? C'est une Refton Wind. Ouais. Ah! Réparer le démarreur. Alors ça, je connais. Je connais, elle est 2010. J'ai entendu dire que je pouvais faire réparer mon démarreur ici, donc c'est la cinquième. Il marche à peine, mais je n'ai pas d'argent pour en payer un nouveau. Pouvez-vous le réparer pour 100? Oui, oh bah, ça va être encore une arnaque, ça, vous allez voir. On va encore se faire rouler dans la farine. Pour 100$. Ouais, le réparer, hein. Alors attention. Faut bien qu'on soit vigilant. J'ai pas de pièces, hein. Non. Combien que ça coûte un démarreur neuf? C'est juste pour information. Alors, à moins que ça existe en pièces usagées. Le démarreur. Hein. Pas où? L'alternateur. Il n'y en a même pas a priori. Si, là. 127 balles. Bah oui, mais c'est plus cher que ce qu'il me donne. Bon, je sais qu'on peut le réparer à l'établi. Mais je voulais regarder à titre informatif. Wow, la gueule de la voiture, mais elle est dans un piteux état, dis donc, et où? Donnez-moi ça, tous ces trouilles et tout. Eh ben, mon ami. Alors, le démarreur, il est normalement caché. Ouais, il est là. J'y ai accès comme ça, bon, ma foi. Je sais pas comment, mais j'y ai accès comme ça. De toute façon, j'ai beau faire, hein, je pourrais même pas l'avoir par le dessous. Si je vous montre, je suis obligé de le faire par le dessus. Vous voyez voir. On pourrait croire que ce serait mieux de le faire par le dessus, mais
Mais non. Enfin, par le dessous, mais non. Oui, j'ai même pas accès. Il est là. Et vous voyez, il est grisé, là. J'ai pas accès. Non, non, il faut absolument le faire par le dessus. Bon. Hop. Alors, allons-y. On va déjà le démonter. Et on est parti. Deux boulons. Alors, il était où? 7%. Ouh là là. Foutu son démoreur. Normalement, si on va sur l'établi, il y a possibilité de le réparer. Oui. Vous voyez, j'ai déjà accès à la réparation du démoreur sans avoir pris d'amélioration de réparation. Et moi, de ce que je me souviens dans la suite des trucs, même si vous prenez des améliorations pour la réparation, hein, que je rappelle bien, ici, dans le manuel, eh ben, vous aurez les mêmes pièces à réparer. Hein. Ça, là. 10% de chance en plus pour la réparation réussie d'une pièce par niveau. Là, on est actuellement niveau 0. Ça changera strictement rien. Mais on le verra tout au long de nos lives. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Pour 92. Ah! Mais après, est-ce que ça réussit? J'imagine que oui. Écoutez, on va essayer. Il est parti. Est-ce qu'il est neuf? Il est tout neuf. Bah, vous voyez. On l'a réparé très très bien, même en étant au niveau 0. Je sais pas. Moi, je sais pas du tout ce qui leur est passé par la tête quand ils ont mis ces améliorations, parce que j'ai jamais compris à quoi ça servait. Hein. Vraiment. Pourtant, j'ai essayé de comprendre, mais là, bah, ça me dépasse. Hein. Je sais pas. Bon, voilà, il y a un démarreur tout neuf avec le reste de la voiture qui est tout vieux. Ma foi, c'est pas grave, normalement, c'est fini. Bah oui, réparer le démarreur, V. On a le tampon, bah c'est bon. Allez, on passe à la voiture suivante. Là, c'est bien, ça enchaîne. Allez, go. Tac, 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 repair. Allez, sixième véhicule, les gens. Oh, je le savais, hein, je le savais que les premières, il y en a, elles sont très courtes. Et il y en a même encore des courtes, hein. Il y en a des un petit peu plus longues, mais tant que t'es pas trop dans l'émission 20-30, c'est pas extrêmement long. Alors, on est revenu sur la fameuse AIS, qui est buggée, là. Alors, effectue un test d'essai routier. Remplacer toutes les pièces usées. Bon, c'est un peu comme le berlingot. Les vitesses passent mal. Il y a quelque chose qui cloche avec l'embrayage. Oh, 1000. Alors là, par contre, ça paye. Ça, c'est bien. Il y aura un problème d'embrayage. Et ben, on va aller faire un test. Allez, c'est parti. Allons tester ça. Hop. Allez, accélération. Bah, elle passe très bien ses vitesses, ce mouchi. Alors, je crois même qu'on peut faire du frein à main, mais j'ose pas trop le faire. Bon, par contre, elle freine pas super bien. Bon, je sais pas si ça a un impact après les pièces usées dans les... Ben justement dans le comportement de la voiture lors de la phase de test. Je sais pas, je suis pas sûr parce que c'est quand même compliqué à mettre en place. Hein. Ah oui, si, j'ai réussi à le faire, le frein à main, là. Ouais. Oh, elle a ruiné sa voiture. Allez, hop. Et là, on est arrivé au bout. Alors, on va voir ce qui ressort. On est revenu. Test validé. Remplacer toutes les pièces usées. Alors lui, il parle de l'embrayage. Eh ben, si c'est l'embrayage, on sait où que ça se situe, c'est à ce niveau-là. Alors, pour l'embrayage, il va falloir désosser la boîte. Du coup. Mais, pour désosser la boîte, il va falloir enlever le démarreur, qui est à 77. Il va falloir enlever... Oh putain, mais c'est un sacré boulot, en fait. Donc j'enlève les cardans, mais pour enlever les cardans... Oh là là, mon dieu. Bon, eh ben, il y a du taf sur celle-là. Mais celle-là, elle va prendre un peu plus de temps. Bon, eh ben, on est parti. Le
problème, c'est que je sais pas si réellement c'est. En plus, si c'est réellement dans l'embrayage qu'il y a un problème. Bon, enfin, on va démonter. Hein. Là, on commence à rentrer dans des plus grosses opérations. On commence à démonter les embrayages. C'est plus la même. J'ai accès au cardan comme ça. Bon, on vire. Ouais, par contre, j'ai pas accès à la boîte. Il va falloir que j'enlève, oui, il faut que j'enlève le trou. Pareil, théoriquement, normalement, ça se démontrait par le dessus. Enfin, il faudrait la lever pour l'embrayage. Bah, peut-être ça nous le propose après. On va voir. Il faudrait que je vire ce cardan-là, parce que de toute façon, il est pris dessus. Voilà. Maintenant, j'ai plus rien qui est raccordé dessus. Alors, est-ce que j'ai accès à mon démarreur par là? Normalement, oui. Ce qui est bien, c'est que les moteurs sont tous les mêmes. Donc, du coup, vous retrouvez très vite les pièces dans l'ordre qu'elles vont. C'est la différence, justement, qu'il y a entre celui-là et les prochains. C'est qu'après, il y a plusieurs types de moteurs, et là, c'est beaucoup plus complexe. Bah, vous voyez, j'ai accès à la boîte de vitesse. On peut la désosser comme ça. Bah, on va pas se gêner. Hein. À ce compte-là. Elle est tenue par 5 boulons. Allez. Alors, techniquement, c'est une opération qui se ferait en l'air. Hein. Ou alors avec une chèvre. Par le dessus. Bah, l'embrayage en lui-même, il a pas de mal. 72. Ah, si la bague, là, elle est foutue. La butée. À mon avis, c'est le disque qui pose problème. Ah oui, disque 13. Ok, bon, bah c'est bon, on a compris la panne. Alors, il faut qu'on démonte ça. Pourquoi je peux pas l'enlever? Mode montage, mode démontage. Bah oui, quel con. Faut peut-être que j'enlève ça avant. Oh. Allez. Ok. Et donc on a accès au disque. Ça va coûter une couille ça. Ça c'est quoi? C'est le volant moteur, ouais, volant d'inertie. A priori, il n'y a pas de test possible. Non. Il est grisé. On y a peut-être accès par autre chose. Du coup, on a un disque à 18, on a une butée à 13. Ça, il n'y a pas besoin de le changer pour moi. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que théoriquement tu changes tout. Disque et puis... c'est un kit hein, en général, c'est un kit complet. Mais là non. La boîte non, c'est autre chose mais... Bah écoutez, on va lui racheter un disque et puis une butée. À moins que ça se réparerait, mais le disque ça m'étonnerait. Hein. Allez, il me propose des pièces autres. Ouais mais non, ça on touche pas. On va acheter disque et butée. Allez. En pièces usagées, je regarde un peu. Hein. Bah, y a pas de toute façon. Frein à disque. Ouais, y a le plateau de pression si on veut, mais. Oh, y a pas. Je vous dis, c'est pareil. Ce truc-là, je n'ai jamais compris l'utilité. Mais bon. Peu importe. Allez, on va aller dans les neuves. Et donc, on veut buter et disque. Buter d'embrayage, c'est ça. 100 balles. Allez donc. Bon, c'est normal, j'ai pas fait de diminution de coût pour le moment. Et le disque, il est là. Disque d'embrayage 500. Waouh! Eh ben, lui, dis donc. En même temps, il nous donne 1000, hein, normalement. Donc là, on serait bon. Butée et disque. Eh ben, allez, remontons ça, puis on va voir si ça va mieux. Mode montage. Un disque neuf. C'est l'ancien. J'espère que ce sera comptabilisé comme bon. Il y a moins de difficultés sur celui-là quand même au niveau de ça que sur les prochains. Au niveau des pièces, des fois il y en a qui sont comptabilisées comme non changées alors que des fois tu les changes. Enfin bref, un soupe pas possible. Sur celui-là, il me semble que ça le fait moins. On a combien de temps de tournage, là, juste pour information? Ça me le marque où, ça? Si, ça me le marque là. Ah, déjà 1h15. Ah ouais. Enfin, j'ai un peu les débuts où c'est que j'ai traîné, donc on peut tourner. De toute façon, on peut partir sur 3h, c'est pas un problème. Tant que je suis là, on va refoutre le démarreur.
C'est là combien? C'est la sixième celle-là? Ah oui, de toute façon je voudrais en faire au moins plus de 10, de toute façon c'est sûr. Puis si on peut monter à 15, c'est bien. Mais peut-être qu'il y a des missions qui sont courtes. Je sais qu'il y en a des courtes de toute façon. Ça, j'en suis sûr. Je m'en souviens quand même vaguement. Même si ça fait un peu de temps. Ok. Eh ben... Est-ce que je vérifierai pas avant de remonter? Oui, c'est bon. Ah, nickel. Donc je peux déjà tamponner. Allez, on peut remonter du coup. On est bon. Atteint sans faute pour le moment. Parfait. Clac, clac, clac. Et on va repasser de ce côté-ci. Remettre ce cardan là. Ce joint, comme ils appellent ça. Une nouvelle roupette. Alors ça varie un peu sur les vues. J'ai deux personnes, trois personnes. Ouais, je sais pas, ça part, ça vient, ça revient, ça repart. C'est bizarre. Ben on est bon. Je vais vérifier s'il me reste des pièces. Il me reste bien que les deux dégueulasses. Impeccable. Et ben c'est bon, ça peut prendre la route. Tac. Golfe blanche est fini. On tamponne. Je boum. Et on passe à la commande numéro 7. Ça avance bien. Alors. Facture 7, changer la batterie, vérifier l'alternateur. Oh bah ça devrait aller ça. C'est une Genesis Stone. Bah c'est la petite Corsa du début ça, 2006. J'ai remplacé la batterie il y a 4 jours. Et je n'ai pas pu démarrer ma voiture aujourd'hui. Vérifier ce qui va pas. Oh ben, à mon avis, la panne, elle est toute trouvée. Si la batterie te l'a changée il y a 4 jours et puis qu'elle démarre pas, c'est qu'il doit y avoir un souci de charge. Eh ben, on va te regarder ça. Alors, on va virer mes pièces, comme d'habitude. Tac. Tac. Est-ce que je ferais pas une nouvelle amélioration, quand même? Parce que... On paye quand même cher, hein, au niveau des pièces. Hein. Alors, bah oui, je suis à 2000. Allez, on gagne bien notre vie, là. Je vais en faire un autre. J'essaierai bien celui-là. Hein. Il me semble que c'est celui-là qui nous dépatouille la chose. Hein. Parce que celui-là, les pièces sélectionnées sur le véhicule, j'ai envie de dire, je les vérifie, moi, donc. Je vais essayer celle-là. Allez, 500 balles. On passe niveau 1. Voilà. On va voir, justement, s'il y a une incidence. Tiens, on va regarder le disque. Je me rappelle du prix, je l'ai payé 500 balles. Est-ce que c'est moins ou est-ce que c'est toujours pareil? Disque d'embrayage, bah c'est 500. Quand je vous le dis que c'est de la gnagnotte leur truc là. Mais je comprends pas. Bon, bref, on verra plus tard. Allez, on regarde la voiture de la dame. Une batterie qui est pas belle, hein. Ouh lolo. Je peux peut-être pas la tester comme ça. 3%, oh mon dieu. Donc c'est soit va falloir une batterie neuve, soit on peut la recharger, mais je sais pas comment. Et la truc c'était de vérifier l'alternateur qui est là. Est-ce que je peux le vérifier? Non. Je peux pas. Donc il faut qu'on le désosse. Et ben allons-y. Allez, j'ai accès. C'est très simple l'alternateur hein, sur ce jeu. Alors il est à combien notre alternateur? Je l'ai pas vu passer. 6%. Ouais, et il secoue. Donc c'est lui qui pose problème. On va essayer de voir si on peut le réparer. C'est comme le démarreur, ça souvent on peut. Oui. 6%, il nous propose pour 233. Et puis tu me donnes combien? Oh, je vérifie, hein, parce que... Oh, tu me donnes 1000, bah c'est bon. Sachant qu'il faut peut-être que je prévoie une batterie aussi. Oh, ça coûte pas 500 balles une batterie quand même. Oui. Je sais pas si ça l'aura réparé, j'espère. 100%, et c'est vraiment bizarre, hein. Franchement... C'est vraiment bizarre. Donc l'alternateur, ce serait solutionné. Attends, j'aurais peut-être regardé quand même la gueule des courroies aussi. Parce que... 78% ici. Bon, après, là, c'est la... Ouais, c'est la courroie de distribution. On peut quand même y jeter un oeil. 68, ouais. Non, si, c'est bon. Il galait. Ouais, bon,
c'est bon. Puis après, c'est des pièces moteurs, donc normalement c'est bon. Maintenant, faut qu'on solutionne le problème de la batterie. Parce qu'à mon avis, l'ordre de mission n'est pas réparé pour autant. Ah bah, ils disent changer la batterie, remarque. Mec, ça coûte une batterie neuve. Bon, je vais l'enlever. Combien que ça coûte une batterie neuve? Je peux peut-être pas la recharger. Alors, bébé. Batterie d'accumulateur, 350 balles. Je vais quand même vérifier si on peut pas la réparer, mais ça m'étonnerait. À moins que j'aurai un truc de charge, mais je crois pas. C'est peut-être bien dans le garage d'après qu'on a ça. Non, ça c'est le truc pour faire la vidange, ça c'est la radio. C'est un capot. Toc, 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 toc. Non, mais il n'y a pas de chargeur de batterie. Enfin, moi j'en vois pas. Non. Je vais quand même aller là. Ah! Bah j'ai bien fait de venir. Sélectionner la pièce batterie. Pour 169, ah bah oui. Eh. Tant. Bon, je sais pas comment il fait pour la réparer. Bah regardez, tiens, 100%. Allez, hop. J'espère que ça va prendre en compte. Mais enfin, pour moi, elle est toute neuve du coup. Regardez donc, elle a une bien meilleure figure. Alors, est-ce que c'est validé? Eh ben voilà. Regardez donc. On a même fait des économies. Que demander de mieux? On a accès au temple. Moi, c'est bon. Donc, du coup, on s'est pas ruiné sur cette voiture. On a tout qui est validé. Et... est-ce qu'on va gagner, par contre, 1000 balles? Ça, c'est pas sûr. Alors ça c'est la facture 8. Ah j'ai pas fait gaffe aux chiffres, j'ai pas eu le temps de regarder. Réparer le pot d'échappement. Prefton Van, c'est le kangou ça. Ma voiture fait énormément de bruit, il est probable que mon silencieux soit en panne. 900 balles, eh ben dis donc, ça y va les prix là maintenant. J'ai rien là-dedans. Eh on s'en sort bien là. On s'en sort bien niveau tunas. 2075, bah oui. Ça monte. Réparer le pot d'échappement. Bon, et ben alors le pot d'échappement, je pense qu'on va l'enlever directement. Et puis on va regarder en dessous. Alors. Bon bah déjà à l'œil, c'est là que ça se passe. Ouais, à mon avis, il y a problème ici. Et problème ici. État inconnu. Alors est-ce que je peux faire un peu de loop? Oui, 20%. 77, voilà c'est bon, c'est 89. Oh bah 3%, bah, le problème il est là. Le catalyseur, 85. Je vais faire toute la ligne hein, tant qu'on est parti. 77, et là après j'y ai plus accès. C'est le collecteur d'échappement, c'est par le moteur. Bon bah on sait où est le problème. Il faut qu'on démonte lui là. Et lui. Et bah allons-y. On va le retirer. Stack. Je démonte ce tuyau là pour avoir accès à l'autre. Voilà, et celui-là faut qu'on le vire. Bon, regardez si on peut y réparer, mais je pense pas. L'échappement, ça m'étonnerait. Et après, on était bon. Ok. 20%, 3%. Et celui-là, c'est bon. Alors, on va quand même passer à l'établi, voir s'il y a possibilité. Je pense qu'on va le faire quasiment à toutes les voitures, ça devrait y arriver. Hein. Non, pas de pièces. Donc, ça se répare pas, les échappements. Mais ça paraît logique. Hein. Du coup, faut qu'on se commande un pot d'échappement. Faut bien qu'on prenne en compte ce truc-là. Hein. Pot d'échappement et un silencieux central, il lui faut. Et ben, ça roule. Il me donne 900 balles. Pièce usagée. Je regarde un peu. Il y en a des trucs d'échappement en plus. Tiens. Ouais, mais il n'y a pas ce que je veux. Un silencieux arrière, ouais, c'est mort. Alors, on a dit pot d'échappement et silencieux central. Alors. Qu'est-ce que c'est ça?
C'est un différentiel, oui, d'accord. Peut-être pour les 4x4. P. Pot d'échappement. 250 balles. Je vais quand même regarder le prix de l'autre avant. Ah oui, c'est des ensembles roues. Et des roues tout terrain même. Silencieux, silencieux central, 350. Tain, ça va faire 10 sous, ouais. 350 plus 250. Et pour 700 balles, la plaisanterie. Ah, ça passe quand même, on est gagnant, mais... Ouais. Ah non, il n'y en a pas pour 700. 4, 5, non, il y en a pour 600. Non, bah oui. Bah, on gagne 300. Oh, il y a marqué. Il n'y a rien à dire. Bon, quand même pas non plus gagner plus qu'il faudrait. Bon, bah, remontons ça. Et puis ça devrait solutionner le problème. Non, c'est pas là. C'est comme ça. Bah, c'est toujours pas bon. Bah, il faut que je sélectionne la voiture, ce sera mieux. Mode montage, on est pas mal. Et on repart ici. Tac. Allez, du 9. Le suivant, c'est celui-ci. Et celui-là. Oh, c'est un vieux jeu, mais ouais, qui est fun à faire. Enfin, je vous dis, il a pas perdu tant que ça. Hein. Alors, est-ce que c'est bon? C'est validé, donc on est bon. Et bah allez, voiture suivante. Ça descend. Piou! On est bon. On va passer donc au 9e. Allez, c'est bien, on arrive à 10. Non, je savais que je pouvais en faire. Je savais que je pouvais en faire parce que... Alors je sais aussi qu'on doit changer de garage au bout d'un moment, mais je sais plus à quel ordre c'est, on va voir. Encore un essai routier. Oh, vous me faites chier. Réparer la direction. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant en général. J'ai l'impression que la direction a des problèmes. Pouvez-vous vérifier? Oh, là, oh putain, par contre, 3000 balles. Alors là, il y a du boulot à mon avis. Il hein. Y a du taf, il y a du taf. C'est encore cette fameuse Golf noire là. Ouais, là, il n'y a pas de précision, donc il va vraiment falloir faire le test. Qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Donc là, ça va nous prendre un petit peu de temps. Ah, ça va commencer à se compliquer, hein, forcément. C'est un peu logique. Est-ce que je reprends un point de quelque chose, là? Je sais pas. Bah oui, 4500, allez, soyons fous. Deux pièces sélectionnées, 10% de chance. Allez, on va essayer celui-là. On verra bien. Ça coûte 500 balles, les prochaines sont à 1000, hein, donc... Il va falloir un petit peu plus de temps. Je pense qu'on va déjà faire les 4 à 500. Et puis ensuite, on se fera les 4 à 1000. Et puis ainsi de suite. Hein. Puis on verra si vraiment il y a une incidence dans le jeu. Mais pour le moment, pas l'impression. On verra bien. Test routier. Allez, c'est parti. Je vais aller jusqu'à la mission 10. Donc je vais faire celle-là la prochaine. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Et puis, bah, je me ferai une pause pipi et boisson pour moi. Et puis ensuite, on refera une deuxième ligne droite. Avec peut-être encore 5 missions, je sais pas. On va essayer de monter à 15. Déjà dans un premier temps. Si je peux faire plus, c'est encore mieux. Qu'on boucle ce Karmeka le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. Et on va passer ensuite sur le 2015. Parce que lui sera un peu plus long. Faire rupter, c'est génial. On commence à s'améliorer niveau conduite. Hop, allez. Je pense que j'atteste convenablement la voiture, hein, comme je fais. Et ben ça s'arrête pas. Si, c'est bon. On est revenu, ça nous donne pas grand chose, je pense, mais non. Si, ça nous a validé ça. Réparer la direction. Bon, la direction. Alors,
Regardons un peu ce que ça ressemble. Les pneus, c'est pas ça, ils sont bons. Suspat, c'est pas testé. C'est tout neuf dans cette... Ah bah non, c'est bon, le problème il est vite vu. Il n'y aurait peut-être même pas eu besoin de faire un test routier, parce que regardez donc. Tout le reste de la voiture est propre, hormis ça. Donc c'est la crémaillère qui pose problème. L'appareil à gouverner, ils appellent ça. Eh ben on sait à quoi se tenir. Voilà, on va l'enlever. Alors allons-y. Oui, si, il faut que j'enlève ça, je pense. Ils en font qu'on se donne de l'accès. Alors, c'est pris là-dessus. Eh ben, on va démonter là. Bah, après, j'ai l'avantage, moi, de connaître quand même, puisque j'ai beaucoup joué quand même à Car Mécanique, j'ai quand même l'avantage de connaître beaucoup les pièces. Comment elles se démontent. Ça, je gagne beaucoup de temps. Là, j'y ai pas accès. Ben oui, forcément. Faisons-moi, je démonte l'autre côté. Ah, pour le moment, on n'a jamais eu affaire à des pièces arrière, hormis les pots d'échappement. Et tout le temps, le problème est devant. Oh, ça viendra. Il n'y a peut-être pas beaucoup de pièces après derrière, hein, faut dire. Hein. Pour les pneus, un peu de suspension et puis, le réservoir. Et tout. Bon, alors on enlève ça. On enlève ça. Bah, elle est toute neuve cette voiture, 95%. 15% par contre, j'y ai pas accès. Il y aurait encore quelque chose qui me pose problème. Ah, parce que peut-être qu'il faut qu'elle soit en l'air. C'est peut-être bien ça le problème. Alors attendez voir. Ou alors par là. Mais ça me paraît bizarre. Faut quand même jeter un œil. Non, c'est pas par là parce que. Non, c'est pas du tout pratique d'accès. Bon, alors, oui, mais quand je la monte, oui, bon, le capot se ferme tout seul. Normalement. Ouais, voilà. Paf. Sinon ça viendrait taper dans le lustre. Mais oui. Ça c'est un truc qui a été corrigé d'ailleurs parce que dans les prochains, normalement le capot peut rester ouvert même en l'air. Alors. Ah, voilà, j'ai accès. Alors récupérons là. Dans mon avis, il n'y a que ça. Hein. D'après ce que je vois. Ça se répare peut-être ce truc là d'ailleurs. Pareil, à gouverner 15%, mais tout le reste est bon. On va essayer de passer à l'établi, voir si ça se répare. Non, ça se répare pas. Dommage. Alors ça se réparerait peut-être avec plus de points, je sais pas. On va aller voir le prix que ça coûte, mais s'il me donne 3000 balles, ça doit coûter la peau des fesses. Un appareil à gouverner, il n'y a pas d'occasion. C'est ça. 1500, bah oui, tu m'étonnes. Ah, ça y est. Les économies sont arrivées. On le paye plus que 1470. Donc en fait, c'est un ensemble de points qui fait que... Bah, c'est très mal foutu. Hein. Franchement, c'est pas une trouvaille, leur truc. Hein. Là, c'est un flop, je trouve. Bon, bah alors on saura qu'il faut prendre plein de points pour y avoir accès. Et bah allez, on remonte notre, notre crémaillère. Tac, tac, tac. Mode montage. Et c'est reparti dans l'autre sens. Alors, j'ai pas accès à ceux-là. Il va falloir que je la redescende maintenant. Oh mon Dieu, d'où Jésus. Nous en font faire des choses. Alors, profitez bien de ce garage. Ça, on va peut-être bien bientôt s'en aller. On arrive à la mission 10. Peut-être on va encore en faire une ou deux. Ah, peut-être on part à la 15, justement. C'est possible. Je vois qu'il y a 76 missions. Ça, j'en suis sûr parce que j'ai regardé sur Steam et c'est marqué. J'avais été loin dans mon autre partie d'avant, de, il y a quelques temps. Je sais plus jusqu'à là combien j'étais allé, mais j'étais pas allé au bout, c'est sûr. Puis alors, les DLC, je les ai jamais fait. Après, le 2015, je l'ai jamais touché en, en perso, à part un petit peu là que j'ai regardé à, un peu là. Les derniers temps hein. Ce qui ressemblait et puis non je vais directement jouer au 2018 après je sais pas pourquoi j'avais bah, je l'ai eu tard aussi celui-là hein. Je l'ai acheté vachement tard. Clac. Mais le 2015 je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait.
Bon, j'ai eu une période de ma vie après où c'est que je jouais plus beaucoup. Bon, je pense que ça doit correspondre. Bah oui, c'est ça, 2015, c'était les époques où j'étais à la ferme à gogo. Et ouais, c'est ça. C'est là, je jouais plus au jeu. Je jouais un peu avant, puis avant, j'avais pas forcément les PC adéquats pour jouer non plus, donc... C'est que depuis pas si longtemps que ça que je joue beaucoup plus au jeu. Allez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de retard, moi, d'ailleurs, sur ma chaîne, et que je vous propose beaucoup de vieux jeux. C'est parce que moi, j'ai beaucoup de retard, personnellement, sur les jeux, et on sera sur les nouveaux un jour, ne vous inquiétez pas. C'est prévu dans le temps. Au moins, l'avantage, voilà, comme je disais au début, ça permet justement que les jeux se développent bien à leur maximum, et au moins, comme ça, on a des jeux complets à faire quand c'est le moment. Enfin, moi, perso, je préfère autant, mais... Il y a des gens qui comprennent pas après ça. Des gens, ils veulent jouer au jeu tout de suite maintenant, c'est même impressionnant, je trouve. Ils sont pas patients pour deux sous, mais bon, c'est comme ça. Chacun fait comme il veut. Alors, bah on est tout bon. Réparer la direction. J'ai l'impression que la direction, on a le temps. Bon, bah allez, prof. Et donc, je passe à la 10e commande. Allez, c'est la dernière que je fais, donc. Et puis, je vais me chercher un café, je vais aux toilettes. Puis, on revient ensuite. Changer la pompe à essence. Oh, bah, c'est bien, elle va être rapide, en plus. Ça va être très facile à faire, je sais où c'est. Je roulais le réservoir presque vide, et je pense que j'ai endommagé la pompe à essence. Pouvez-vous la remplacer? Non, par contre, il y avait de bonnes... je trouve qu'il y avait de bonnes petites missions, sans que ça paraisse. Des missions qui possibles... Enfin, qui réellement pourraient être possibles. Vous voyez, il nous dit, j'ai roulé le réservoir presque vide, et elle a l'impression d'avoir endommagé la pompe, ce qui pourrait être probable. Hein. Donc, c'était pas si mal que ça. Pompe à essence, ben on va la lever, parce que de toute façon, je sais où c'est derrière. C'est à côté du filtre. D'ailleurs, je dois avoir des pièces achetées, moi. C'est ça. 170 balles, ah, cool. Peut-être pour ça aussi que l'argent monte vite, parce que je vends mes pièces, mais de toute façon, on n'a pas l'utilité. Voilà, et la pompe, elle est là. Hey. Je m'en rappelais. Alors, elle est comment? Elle est boulonnée, ouais, ok. J'aurais pu regarder avant de la démonter. Bon, attention, le fait de la démonter nous dit le pourcentage. 1%, oui. Bah, mon ami, on sait à quoi s'attendre. Combien tu me payes, toi? Ça en dit long. 600 $. À mon avis, il en faut une. On va quand même passer à l'établi. Ouais, ça se répare pas. Ça marche. Non, c'est pas ici, c'est là-bas. Tac. D'occasion, il y en a. Pompe à carburant. Même pas. Eh ben, on va partir sur une neuve. Alors, pipipipipi. Filtre. Pompe à carburant. 320 balles. Et moi, je la paye que 313. Ah oui, donc il va vraiment falloir qu'on se remette des autres trucs pour que je paye les choses moins chères. Mais quoi, ça? Ah, c'est une tache d'huile, d'accord. Ok. On la remonte et on sera bon. Là, toute neuve. Allez. Voilà. Nickel. On la redescende. Ah, ça enchaîne. On perd pas de temps. Et ben voilà les gens, on est bon pour le tampon. Donc c'était la 10e mission. Je fais une... Alors je laisse le live en route, hein, pas de problème. Donc n'hésitez pas s'il y en a qui sont là à rester. Ça va pas être long, hein. Je fais juste une petite coupure de... Enfin, une petite coupure, une petite pause de 2-3 minutes grand maximum. Et je reviens, on repart bien sûr avec la mission numéro 11. Je donne le coup de tampon, voilà, paf. Je vais me chercher un café. Et puis... Je fais ce que j'ai à faire, je reviens tout de suite. Allez, de retour. Le café est là. On va pouvoir donc passer à la mission numéro 11. Alors, on nous dit quoi? Remplacer la boîte de vitesse. Oula mon dieu. Beaucoup que ça va, c'est pour... On a un peu fait tout à l'heure, dans un sens. C'est une Revton Wind. Eh ben c'est... Ça, c'est la grosse voiture, oui. 2010. Alors, c'est qui ce qui nous dit? Bien, j'ai prêté ma voiture à ma femme.
pendant quelques jours et regardez dans quel état elle est maintenant. La boîte de vitesse est en vrac. Voilà, je vous avais dit, il y a deux, trois petits trucs, je le sais, qui étaient un peu comiques. 2 500 $. Eh ben, on va réparer donc la boîte de vitesse. Il y a peut-être moyen justement de la réparer. Hein. Remplacer la boîte de vitesse, ils disent. Bon, on va voir. Est-ce que j'ai des pièces à vendre? Oui, la pompe. Tac. Alors, boîte de vitesse. Boîte de vitesse, boîte de vitesse. Faut qu'on vire le démarreur. Oh oui, elle est pas belle en effet. Est-ce que je peux lui donner un coup de loupe, tiens, à la boîte de vitesse? Non, je peux pas. Ok. Alors, démarreur parti. Tac. Eh ben oui, faut que je démonte les... Oui, les joints. Oh, elles sont belles, les jantes. Waouh. Oh, regardez, on se voit dedans. Elles sont magnifiques. J'aime bien. Ça, j'ai hâte d'être dans les... Bah, sur les prochains pour ça, justement. Et dans celui-là, je sais qu'il n'y a pas le côté rénovation et tout, et que... qu'après, on a ça, et ça, c'est cool. Et c'est ce que j'attends, de toute façon, sur ces cartes mécaniques. Mais il faut faire les scénarios, parce que... Sinon, on n'a pas de thunes au début. Alors, on peut tricher, mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça. On va vraiment reprendre du top départ, entre guillemets. C'est pour ça que je fais ça. Comme ça, on va pouvoir se faire de belles aventures. Et vous pourrez d'ailleurs, même normalement, participer, vous allez voir. C'est ce que j'avais déjà prévu à l'époque. Hein. Et ça n'a jamais vu le jour, finalement. Ben, je vous dis, parce qu'il y a eu plein d'autres séries. Puis après, voilà, le temps a fait que... Donc c'est pour ça, c'est pour ça que j'avais marqué d'ailleurs sur le truc retour indéfini, parce que je savais pas en fait quand en reprendre. Puis à un moment donné, bah, j'ai envie de jouer aussi à ce que j'ai envie de jouer. Donc voilà quoi. Donc pourquoi se priver de jouer à certains jeux alors que de m'empêcher d'y jouer quoi. Enfin, c'est, je me suis beaucoup remis en question un peu aussi. Donc du coup, on est bon. On est sur la mécanique et moi ça me plaît. Donc c'est ce qu'il faut. Puis ça me change les idées surtout parce que jouer tout le temps au même jeu, que ça plante là, que ça te fait chier au niveau des écrans à la con, ben ça va 5 minutes. Boîte de vitesse, donc on a dit 27%. Est-ce qu'il y a possibilité de la réparer? Eh ben oui. Alors ça c'est bien. Pour 720 balles, je vais quand même aller regarder le prix du neuf, mais c'est sûr que ça coûtera moins cher de la faire réparer. Maintenant, faut juste que ça prenne bien en compte. Alors, c'est une boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse comme ça, classique, puisqu'on est sur le jeu de base, là. Et oui. 2000 balles. Bah, ça se discute même pas. Allons ici directement. Non, je pense que je vais même plus regarder, parce que de toute façon, c'est nettement plus rentable de réparer. Le démarreur, il est très bien comme ça. Bah oui, 100%. Et de toute façon, ça marche à chaque fois. Et ça, je m'en souvenais, de toute façon, de ça. Donc c'est bon, bah écoutez, c'est nickel. On lui remet ça. C'est une mission qui va se faire assez rapidement finalement. Tac tac tac. Tant que je suis là, je vais mettre le démarreur. Ça sera fait. Après je passe dehors, je remets les cardans et les roues. Et on est bon. Jolie cette voiture là, mais j'arrive pas trop de voir ce que c'est comme véhicule. Tiens, n'hésitez pas, enfin, ou n'hésite pas s'il y a quelqu'un sur le. A priori, oui. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Est-ce que c'est pour toi comme voiture? Ça, j'arrive pas trop à. Une berline, mais après, au niveau de la forme des phares arrière, c'est. De toute façon, c'est issu de voitures réelles hein, en général. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas les vraies licences, mais. Après, c'est le cas, puisqu'après, ils ont les licences, mais avec les DLC notamment, mais. En jeu de base, souvent c'est des voitures réelles mais qui sont mentionnées avec un autre nom. En général, on arrive à les retrouver. Parce que rien que l'espèce de berlingot là, je suis quasi sûr à 100% que c'est un machin dans le genre. Puis la Golf, c'est pareil, la Golf, c'est sûr que c'est une Golf. Donc ça c'est bien une voiture réelle mais j'arrive pas à me dire qu'est-ce que c'est. Une Renault, je sais pas. Chez Renault, je vois pas trop ce que ça pourrait être, à part la Laguna ou... Bah, c'est pas la forme d'une Laguna, ça. Je vois la voiture, je vois le modèle, mais j'arrive pas à lui donner un nom. Donc c'est pour ça, si vous voyez, bah, n'hésitez pas.
pourra peut-être m'aider. Oui, j'étais passé en démontage, ok. Après, c'est juste pour le fun, hein, c'est pour critiquer la voiture ou quoi. Hein. C'est juste pour se dire, ah oui, tiens, oui, effectivement, ça peut être une comme ça. Et il me semble que dans ce jeu, il y en a une autre que je sais ce que c'est, mais que j'arrive pas à lui donner un nom. On n'a pas dû la voir encore. Pour le moment, on a vu principalement les mêmes. Bah c'est bon, normalement. Remplacer la boîte de vitesse, j'avais bien remis mon micro, hein. Oui. Tac tac tac, on a le tampon, ouais c'est bon. Allez, on ferme le capot. Et c'est tout bon. On passe à la mission numéro 12. Allez. On a le temps d'en faire encore un peu. Changer le filtre à huile, changer l'huile. Ah, on va faire notre première vidange. Genre, c'est mal. Je trouve que c'est mal mis parce qu'une vidange, c'est un truc qu'ils auraient pu nous faire faire dès le début quasiment. Là, finalement, faut quand même attendre 12 missions avant d'en faire une première. C'est le fameux Kangoo, justement, Refton Van. Cela fait longtemps que je n'ai pas changé l'huile. Il est temps de le faire. Je vais attendre ma voiture ici. 200 balles. Et bah, ok. Donc huile, enfin vidange et puis le filtre. Et ben là c'est bien, c'est complet. Du coup, on va ouvrir ça. Donc j'imagine qu'il va falloir la lever et puis le truc à vidange, ouais il est là-bas. Ça, c'est bon, je m'en rappelle. Ah oui, effectivement, oui. Là, il faut faire quelque chose. C'est tout mini et puis c'est noir. Alors un filtre. On va peut-être la mettre en vidange avant. Ouais, on va la mettre en vidange avant. Alors je vais le fermer parce que de toute façon, il va falloir que on mette le truc en dessous, j'imagine. Alors, comment que ça fonctionne déjà? Le carter, il est là. Ouais, faut que je me mette ici. Oh, bah c'est pas pratique. Alors comment je fais la vidange? Faut peut-être venir dessous. Ah si, le bouchon là. Alors on va pas l'ouvrir parce que sinon ça va couler par terre, malgré que ça a déjà dû couler par terre, hein, mais bon. Et le... C'est ça que je veux. J'utilise ce truc là. Récipient à huile, ouais. Alors maintenant faut qu'on le place. Hein. Alors moins que ça se mette tout seul. Ah oui, mais ils sont gentils. Bah si, c'est peut-être placé tout seul le truc. Finalement. Ah, j'ai un doute. Sans y voir quand même. Quand même qu'on soit sous le bouchon. Bah là on est pas mal. Théoriquement. Voyons, c'est pas facile à placer. Eh. Je mets peut-être trop en avant là, non? Je vais reculer un peu. Et je le mets là. Bah non, je suis pas dessous là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, peut-être ici. Ah, bah là on est bien. Là, on est parfait. Alors. C'est pas sur l'appareil qu'on clique, donc ici c'est sur le bouchon. Hop. Oh, en plein dedans. Parfait. Parce qu'il me semble que ça fait des frais de nettoyage si ça coule à côté, je crois. Alors moi c'est pas ce que je veux. Ok, donc la vidange est faite. Donc ça, bon, je peux l'enlever. Parce que pour remplir, on n'a pas vraiment besoin. On va mettre ici. Se laver les mains. Non, je rigole. On a mis des petits gants, bien sûr. C'est cancérigène, l'huile de vidange. J'ai appris ça, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. J'ai été très longtemps, moi, personnellement, où je faisais mes vidanges sans mettre de gants ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai, j'y allais comme ça, moi, je veux dire, avec mes mains. Bon, de toute façon, je suis plus à l'aise avec les mains nues qu'avec des gants. Je peux pas être avec des gants, ça me saoule. Déjà, à la ferme, c'était pareil, hein. Des gants, non merci. On mettait vraiment des gants quand je jouais genre dehors, que je faisais entre guillemets rien avec mes mains, quoi. Mais sinon, bon, fous-moi la paix avec des gants. Tu peux rien prendre dans tes mains, c'est chiant. Est-ce que le bouchon, faut le remettre? Est-ce qu'il est dans mon inventaire? C'est pour exclure? Non. Et non. Donc du coup, je vais recliquer là.
vérifier. Bah si, il est là. Parce que là, on est en mode démontage. Je passe en mode montage. Bouchon du puisa. Ah mais ça le renlève. Ouais, il se remet automatiquement, d'accord. Bon bah c'est vu. Bon bah ça va se passer par le dessus maintenant. Remplissage et puis filtre. Pas besoin de la remonter. C'est notre première vidange, hein, donc. Maintenant on saura comment que ça se passe. Donc là ça doit être vide techniquement. Ouais, c'est bon. Le filtre. Il est foutu ce filtre. Bah, état inconnu. Fous de moi. Ah oui, 20%. Bon, alors on en met un œuf, bien sûr. Donc faut que j'en achète un, parce que j'en ai pas. Hop. Filtre à huile. Alors, sur ce... Tiens, petite parenthèse, un truc que je pense tout de suite et que de toute façon se passera sur les prochains opus. À partir du 15, peut-être que je mettrai ça en place. Parce que sur celui-là, on est limité, en fait, au niveau des emplacements véhicules. On peut mettre qu'un seul véhicule. On a pas de place, si vous voulez. Je sais qu'à partir du 2015, du 2018 et même du 2021, je l'ai acheté, mon filtre. Hein, parce que je cause, du coup, mais... Oui. Je sais qu'à partir donc des prochains opus, on a des emplacements. Que ce soit dans le garage ou même à l'extérieur. Enfin bref, peu importe. On fera sûrement un système différent. C'est-à-dire, ça sera beaucoup plus RP que celui-là. C'est ce que j'envisageais déjà à l'époque, chose que j'avais pas forcément fait sur le 2018 ni sur le 2021. Mais on essaiera de jouer un peu le truc plus comme en réel, c'est-à-dire avec le client amène la voiture, on prend un peu connaissance du véhicule, qu'est-ce qu'il faut qu'on change, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Il y aura une commande de pièces, parce que dans le jeu, vous avez vu, on commande les pièces, ça arrive très rapidement. Bon, après, réellement, c'est la même chose. Les pièces arrivent en général très souvent sous 24 heures, voire même des fois moins. Ça peut arriver. On fera un système un peu comme ça. Donc, c'est qu'on prend la voiture, on démonte, on la met de côté, quand c'est possible, sur une place, notamment sur un emplacement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai prévu des choses de toute façon par la suite. Et comme ça, ça rendra bien et on aura un système... Avec donc les voitures qui vont partir, qui vont revenir. Je prévois même éventuellement après par la suite, avec notamment le côté rénovation de véhicules, on essaiera peut-être de se rénover des véhicules qui appartiendront au garage. Donc il y aura bien sûr les grosses voitures de luxe un peu, mais ça sera plus l'objet de véhicules qui seront destinés à être revendus. C'est là notamment peut-être que vous pourrez interagir dans la playlist, enfin dans le jeu. Enfin, sur la chaîne du moins, sur les vidéos. Et on se fera aussi peut-être des voitures qu'on rénovera pour nous, pour prêter peut-être, alors fictivement hein, bien sûr, dans le jeu, mais qu'on prêtera peut-être aux clients. Parce que du coup, il y aura peut-être des clients qui auront besoin d'une voiture de prêt, parce qu'on aura peut-être leur voiture pendant plusieurs jours. Et les opérations qui prennent des fois 2-3 jours réels. Hein. Notamment changer un embrayage réellement, c'est, je pense qu'il faut au minimum 2 jours, voire 3 jours. Hein. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça en place en fait. Et ça, il faudra attendre par contre qu'on soit dans le 2015, parce que je sais que dans celui-là, on peut pas le faire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait dans l'ordre après. Puis qu'on voit aussi l'évolution. On est bon sur cette mission? Non, on n'a pas fini. Hein. Bah oui, faut tout mettre de l'huile, ça sera mieux, mon cher. Allez, on y met du super motor wall, la 10. La 10-30. Et bah, c'est pas trop mal. Alors, je vais essayer de pas la faire déborder. Eh bien, je vais essayer parce que, en général, on va s'arrêter là. Je vais tout droit. Déjà sur les autres. Ah, bah, je peux encore en mettre. Mais pas beaucoup. Sur ce qui compte, c'est qu'elle soit entre le min et le max. Allez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Oh, c'est presque bien. On va lui en mettre une toute petite lichette. Mais c'est vraiment pour dire. Allez, top. Je pense que là, on est parfait. Ah, c'est nickel. Pas plus. On est bien. On est au max. Comme ça, le client repart content. Bah, c'est un sans faute, hein, normalement. Cette fois, ça doit être bon. Eh bah oui. Je peux tamponner 200 balles. Ouais, bah, c'est bien le prix, là. D'ailleurs, est-ce que je gagne plus, maintenant,
que du coup les niveaux ont l'air bizarroïdes. Je vais regarder en bas à droite, ça va le marquer. 200 balles de prévu. Est-ce qu'on aura plus ou est-ce qu'on aura moins? Bah, il y a un truc qui est bizarre. Regardez, 1400 en bas. J'ai l'impression que ça nous met la somme de la mission qui arrive. Est-ce que c'est que ce cirque? Alors là, je sais pas. Est-ce qu'on a reçu 1400 apparemment? On est à combien là au niveau du... Je n'ai jamais compris la trésorerie de ce car mécanique 2014, honnêtement. Et je la comprends toujours pas. La trésorerie et les levels là. Bon, j'ai 6000, on va peut-être encore pouvoir se refaire quelque chose. On va se prendre le dernier là. J'ai même envie de dire, j'ai envie de prendre un truc à 5000 là. On va essayer celui-là, allez hop. Parce que plus on aura d'argent, le plus. Prochaine étape 1500, ouais, donc ça augmente par palier de 500, ok. On est passé niveau 2. Et ben on achètera un prochain. Je vais garder quand même les 4008 parce que maintenant on va quand même commencer, à mon avis, à rentrer dans un. Dans des missions qui sont sûrement de plus en plus coûteuses. Donc méfions-nous hein, si on peut éviter de faire le prêt. A l'époque, je sais que j'en avais pas eu besoin. Mais j'étais jamais allé jusqu'au bout du jeu. J'en sais rien, on est revenu sur la Golf là. Ouais, Golf verte. Alors, j'ai pas lu du coup ce que ça nous proposait. C'est la numéro 13. Ah yes. Alors, il est temps de remplacer la courroie de distribution. Ah, j'aime bien ces missions là. Mon ami m'a conseillé de remplacer la pompe à eau également. D'accord. 1400 balles. Donc, remplacer la courroie de distribution, changer la pompe à eau. Bah, c'est... Oui, c'est pareil, en fait. Enfin, faut changer distribution et pompe à eau. Ok, ça roule. Eh ben, c'est parti. Donc, ça, j'aime bien. C'est intéressant à faire. Donc, c'est par là que ça se passe. Bah, vous voyez, sans vérifier quoi que ce soit, c'est déjà les pièces qui sont usagées. Donc, la courroie de distribution, c'est elle. Alors, on va faire un coup de loupe, là. Faut pas se louper là-dessus. 17%, bah ça c'est squeeze. Là c'est la courroie d'accessoires 23. Après il demande pas de la changer, mais est-ce que. Le galet là il en est où lui? 26, mais c'est tout cuit. Pompao est morte aussi. Et ça aussi. Ouais, donc c'est tout rouge quoi. Et ça. Et ça j'en sais rien. Bon, bah ben on va en démonter des bouts. On aurait dit, il y a peut-être des pièces qu'on peut réparer. Faut que je commence par le galet, ouais. On a accès à la courroie. Accès à la pompe à eau, j'ai même accès à ça. C'est une poulie de renvoi qu'ils appellent ça. D'accord. Mais c'est pas un truc qui est pris dans le... Ah non. Bizarre, comme c'est foutu. Bon, je démonte tout, puis on regarde. Ah oui, mais attendez. Oui, mais non. Parce que c'est pas comme sur le 2021. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas d'histoire de fluide. Parce que sur le 2021, maintenant, mais peut-être même sur le 2018, ça le faisait. Il y a le liquide de refroidissement qui coule quand... Mais sur celui-là, on n'a pas accès, vous voyez, au bocal. C'était encore pas d'actualité, ça. Théoriquement, je peux démonter. J'ai besoin de mettre un message ainsi. Non, c'est bon. Bah, à mon avis, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, tout ça est foutu. Bon, regardez s'il y a des choses qui se réparent, notamment peut-être la pompe à eau. Mais c'est pas dit. Hein. Il me rémunère 1400, je crois. 1400, ouais. Donc. Ouais, bah y'a que la pompe à eau qui se répare. Pour 119. Bah, je la répare, c'est sûr que c'est plus. C'est plus rentable que d'en acheter une neuve. Ouais, elle est toute neuve, impeccable. Je vais quand même regarder le prix juste pour information, mais je suis sûr qu'on est gagnant d'avoir fait ça. Pompe à eau. Pompe à eau. Ah, ça y est, je commence à avoir repris le jeu bien en main maintenant. Ouais, vous voyez, 300 balles. J'aurais payé 294, ouais non mais on est plus rentable. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une courroie de distribution, il nous faut un truc comme ça, oui. Poulie de renvoi, 100 balles.
pas payé 98. Tendeur de courroie. C'est ça qu'il me faut. Hein. J'ai quand même un doute sur les... Oui, tendeur de courroie, il m'en faut un. Donc ça, c'est bon, j'ai le bon. Il me faut une courroie de distribution. Donc la courroie de distribution. Et il me faut une courroie de ventilateur. Et donc un tendeur de courroie. Donc tendeur de courroie, on est dessus. C'est ça. 150 balles, cette merde. Eh ben dis donc. Ils se font plaisir. Et donc, il me faut la courroie. Alors, la courroie de distribution. 120 balles, allez donc. Et il me faut courroie de ventilo. Je crois que c'est ça. Hein. Courroie de ventilateur, ouais. C'est celle-là. Ça, c'est une V6 et ça, c'est une V6. On n'a pas vu encore ces véhicules-là. Je dois être bon. Alors, une poulie. On vérifie bien. Un tendeur, une courroie de distribution, une courroie de ventilateur. Et la pompe à eau qui est réparée. Eh ben, on est bon. Théoriquement, on n'a pas fait de boulettes. On doit le faire. Allez, remontons tout ça. Puis, on verra ce que ça donne. Donc je monte déjà jusqu'à 15 missions, mais de toute façon on va y être vite, hein, parce qu'on est à la 13ème là je crois. Et puis je vais voir, selon la motivation, peut-être je vais monter à 20. Je vais voir. Il est quelle heure là réellement? Il est 8h. Hein. On va perdre du monde, il y a peut-être des gens qui vont les manger. Bon, de toute façon il n'y a pas grand monde de base, hein, donc j'ai envie de dire je vais pas perdre grand monde. Non, autant que je joue, tant que j'ai la motivation et que j'ai le temps. Parce qu'après... Ça va foutre le souk et ce jeu va encore rester sur le carreau. Donc non. Jouons tant qu'on peut. Est-ce que c'est bon? Bah oui. Distrib, courroie. Pompe à eau. J'ai le tampon. Eh bah c'est bon. C'est bon. Je ferme ça. J'ai oublié aucune pièce. Non, c'est bon. Je vais même les... Enfin, je les vends après en général. Allez, je m'y rends. Hop. Tac, donc c'était la mission numéro 13. Hop. Emballer, c'est pesé. Ensuite. Localiser et éliminer le problème. Mission 14. On revient sur la Vulcan Family, la fameuse voiture familiale. Il y a des bruits étranges quand je roule lentement sur une route en mauvais état. 200 balles. Enfin, je me fie plus trop à ça parce que... J'ai l'impression que ça va un peu... dire tout et rien, ça. Il y a des bruits étranges quand je roule lentement sur une route en mauvais état. Mais pourquoi ils ne demandent pas de... Bah quoi, qu'ils nous disent juste localiser et éliminer le problème. Ils devraient presque faire un test routier sur cette voiture. Je vais déjà vendre ça. C'est surtout pour éviter de s'y perdre. Qu'on sache quelles pièces vont à quelle voiture. Je ferais bien un test d'essai routier, moi. À moins que visuellement, j'arrive à voir où est le problème, parce que des fois... Vous voyez, la voiture, elle est plutôt propre, en plus. Hein. Route en mauvais état. Bah, à mon avis, oui. La panne, je l'ai vue. Alors, c'est pas par là qu'il faut que j'y regarde. Bon, faut que je peux laisser le capot ouvert. Je crois que c'était par là. Donc il n'y a peut-être même pas besoin d'aller à la piste. C'est ça. Là, je l'ai vu du dessus. Et je lui fous un coup de loupe. Bah oui, 13%. Et l'autre côté... J'ai pas accès, parce que le reste paraît bon. Je vais passer un coup de l'autre côté, mais je pense que c'est juste ça. On va quand même vérifier à l'arrière maintenant, à partir de... Comment commencer de se méfier. Non, mais ça, c'est en bon état. Hein. Oui, alors, pourquoi le pneu est vert? Parce que je crois que le jeu trouve des pièces un peu aléatoirement. Ouais, celui-là, il est bon. Hein. 95%, ouais, bah, donc c'est bon. Hein. On a vu la panne, elle est trouvée. Pas besoin d'aller bien plus loin. Je vais quand même checker ici. Mais ça me paraît... Elle est propre, cette voiture. Hein. Pourquoi cette pièce-là serait dégueulasse et pas les autres? Franchement. Non mais c'est sûr, c'est ça, allez, cherchons pas plus loin.
J'ai remarqué dans ce jeu, hein, faut pas chercher bien loin. On va y enlever la roue. Et même d'ailleurs dans tous, hein, on va des fois chercher beaucoup trop loin. Souvent. Enfin moi en tout cas, c'est mon cas. Oui bah je suis bon, j'ai déjà accès. Regardez s'il se répare, parce que vu qu'on a révolué un petit peu. Un conjoncteur droit du coup. N'est-on jamais? Non, il se répare pas. Puis pour le prix qu'il me donne, il doit pas y avoir grand chose d'autre. De toute façon, on va vite le voir. Hein. Conjoncteur, ça coûte 50 balles. Théoriquement, c'est le droit, je vais quand même vérifier. Oui, droit. Conjoncteur de barre et droit, ok. Enfin, je préfère vérifier. Donc c'est celui-là. 49. Eh ben c'est bon. Allez. Je pense qu'on est bon. Stock. Ah. Pour me dire que tu peux pas visser là, ben non. Et ben je vais vérifier tout de suite. Ouais, nickel. Validé, tampon. Allez, c'est nickel. Mission encore très rapide. Donc on arrive à la 15e. Déjà, cet objectif-là est atteint. C'est parfait. Allez. Hop, expédié. Stock. 200 balles. Non mais, c'est vraiment bizarre. Hein. Bien, la 15e mission, on a un véhicule rose, c'est bien ça. Oh la vache, oh, c'est particulier. Hein. La petite Corsa rose, voiture de fille sûrement. On voit pas tous les jours des comme ça. Hein. Franchement, ça a son charme. Bon, allez, on n'est pas là pour se moquer de la voiture, on est là pour la réparer. Allez, ça tu dégages. Et on regarde ce qu'on nous demande. Alors. Changer les filtres à air et à huile. Eh ben ça va. Changer l'huile, donc vidange. Parfait. Vérifier la courroie de distribution. Oh, il y a du boulot, disons-tu. Je viens d'acheter cette vieille auto pour ma femme. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'elle est rose. Et il faut faire l'entretien. Ouais. Remplacer les filtres, changer l'huile et vérifier la courroie de distribution. 500 balles. Oh, ben ça devrait être... Ça devrait être rentable. Alors, il nous a dit filtre à... Oh, je sais déjà plus. Filtre à huile, ça j'en suis sûr. L'autre, c'est le filtre à air. Voilà. Donc, filtre à air, filtre à huile. On va... Je vais faire autrement. Je vais la foutre en vidange tout de suite. Comme ça, on la lève. Et après, on la redescend. Et fin de l'histoire. Allez. Donc, il me faut mon bocal. Faisons les choses convenablement. On va la mettre en vidange. Allez, viens avec moi, toi. Alors, par contre, faut qu'on se méfie parce que... Peut-être un Paul Carter à même endroit. Oh bah si. Au même endroit. Alors on vise le truc. Ça par contre c'est pas du tout pratique. Hein. Dans les prochains c'est réglé ça. Ils le mettent. Il se met automatiquement. Et ça c'est quand même beaucoup mieux. Bon je dois être pas mal. Allez on va le démonter. Le bouchon. Hop. J'espère que ça va couler dedans. C'est toujours marrant, ça. Mais bon, très bien. Ok. Vous voyez comme si deux, les couleurs là, avec le. Ça cache la carrosserie. C'est pas moi qui le fais, hein. C'est le jeu qui le fait tout seul. Moi je m'en sers pas après de la carrosserie enlevée là, mais. Il y a des gens qui s'en servent. C'est un plus après. J'y joue toujours moi en mode difficulté un peu le plus. Et moi, je suis vraiment obligé de venir sur les pièces pour y avoir accès. Mais après c'est mieux fait, vous allez voir dans les prochains. Bah ça c'est bon. Donc du coup, on ramène ça. Toc. Et on la redescend. Ah, mais je me prends tout le temps dans le panneau là. Couper ça à la disqueuse, mais tu vois. Un truc qui sert à rien en plus. Ouais, c'est juste pour te dire attention à la tête quoi. Ouais, bon. Attention à la tête, je me prends dedans à chaque fois. Bon, peu importe. Moi,
J'ai fini mon café, impeccable. Alors, du coup, maintenant qu'on est là, filtre à huile. Bon, j'enlève directement, de toute façon c'est demandé. Il était à 21%, ça c'est bien vide. C'est bien vide, il faudra bien qu'on repense à mettre de l'huile neuve. Ok, tant qu'on est ici, filtre à air. Oh bah non, ça c'est pas chouette par contre. Combien que c'est ça? On doit pas être bien bon. Oh, 50, ça va. Alors, on démonte ça. Allez, les moteurs sont tous les mêmes, hein, donc... à un moment, en fait, quand vous avez fait 4 voitures, c'est bon, le moteur, vous le connaissez par cœur. Hein. Et vous avez vu, hein, pour le moment... Je dis bien pour le moment, je sais pas si plus tard dans le jeu, on y aura accès un peu plus, mais il me semble que non. On n'a pas encore fait de grosses mécaniques intérieures moteur, parce que je crois... Je dis bien, je crois qu'on a accès, en fait, qu'aux éléments un peu externes au moteur. On n'a pas vraiment de mécanique en soi, genre piston, bielle, tout ça. Ça sera qu'à partir du 2015 où je crois qu'ils ont mis cette fonctionnalité avec vraiment des pièces détaillées du moteur. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le magasin, ils nous vendent pas de piston à l'unité. Hein. Piston, soupape, tous ces machins-là, ça n'existe pas. C'était comme ça à l'époque. Hein. C'était vraiment un petit peu de la mécanique extériorisée. Il n'y avait pas la carrosserie, pareil. Il n'y avait pas tout ça. Il manquait vraiment plein de choses hein, à l'époque. Hein. On était sur de la base. Hein. Mais c'est bien qu'ils y aient fait évoluer. Hein. C'est pour ça hein, que je commence par les débuts tout le temps. Parce que je veux justement bah, vous montrer un petit peu par quoi on est passé aussi avant d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. C'est toujours été ma marque de fabrique moi sur la chaîne, hein, sur toutes les séries que je fais quasiment. J'aime bien commencer par le début pour ensuite aller de l'avant et voir justement bah, les évolutions au fil du temps. Et moi je trouve que c'est cool à faire comme ça. Faire un nouveau jeu avant de faire les anciens, j'ai jamais compris le délire, moi. Mais bon. Après voilà, il y a des gens qui les ont fait à l'époque, donc forcément je comprends qu'au jour d'aujourd'hui, ils soient sur les nouveaux. Mais moi c'est pas mon cas, donc c'est pour ça. Puis après c'est comme ça qu'on se retrouve perdu justement dans un nouveau jeu, parce que bah, des fois il suffit juste d'avoir joué aux anciens, et puis bah vous savez. Donc bon. Mais bon, encore une fois, chacun fait comme il veut. Moi c'est mon avis maintenant, voilà. Mais je veux vraiment vous l'expliquer, que vous puissiez comprendre pourquoi j'opère comme ça. Parce que c'est des fois dit en commentaire. J'ai déjà eu ce genre de commentaires, notamment à l'époque sur Farming 2011. Les gens, des fois, qui sont juste de passage sur une vidéo, hein, qui te disent « Mais tu sais, il en existe un plus récent. » Ben oui, je le sais. Mais si je joue, t'as qu'à écouter ce que je dis. Et puis à un moment, tu comprendras pourquoi. Puis j'ai envie de dire, à un moment donné, je joue quand même à ce que je veux, quoi. C'est quand même aussi le but. Donc voilà. Et du coup... Je suis perdu dans ce que j'ai fait. J'ai démonté le filtre à air, j'ai démonté le filtre à huile, j'ai fait la vidange, et la dernière chose, c'était quoi? Vérifier la courroie de distribution. Vérifier la courroie de distribution. Et ben, on va le faire tout de suite. Comme ça, après, on part aux commandes. Alors. Donc là, on va passer en mode vérification. C'est elle, la courroie de distribution. 2%. Bah, ouais, mais est-ce qu'on la change du coup? Je vais lui vérifier la totalité des choses. 41. Il va falloir que je fasse le test là. Si, ben, on peut le faire. Vu que j'ai vérifié, on va voir si ça nous comptabilise. Si ça comptabilise, je lui change pas parce que c'est juste demander vérifier. Après, en tant que mécano, normalement, on devrait pas la laisser reprendre la route avec une courroie de distribution prête à péter. Hein, mais. Bon, le reste est bon, hormis la courroie. Alors après, je me tâte quand même pour lui en mettre une nœud. Est-ce que... Bah non, ça me l'a comptabilisé. Hein. Donc en soi, je suis pas obligé de la changer. Hein. Après, voilà, ils m'ont demandé de la vérifier. J'ai fait mon boulot, je l'ai vérifié. J'ai envie de vous dire, moi, quand je vais lui rendre la voiture, je peux très bien lui dire, par contre, attention, la courroie de distribution est prête à lâcher. C'est à prévoir. On peut faire ça comme ça. Après tout, moi, je me couvre. Je lui montre, voilà, la courroie, elle est dans cet état-là. Prévoyez-la, imminent. Hein. À la rigueur, voilà. On va faire comme ça. On va dire que je vais jouer mon rôle. Moi, voilà, j'ai vérifié la courroie. Elle est à out. Maintenant, c'est à eux de voir. Alors, il nous faut, du coup, un filtre à huile et un filtre à air. Et c'est tout. Allez, on va faire comme ça. Non, parce que mon objectif, c'est quand même d'avoir un peu de thunes. Hein. Bah oui. Hein. Filtre à huile, filtre à air. Le plus important dans la vie, l'argent. On fait rien sans argent. Mais oui, c'est con à dire.
Alors, filtre à air, c'est celui-là. Filtre à huile, c'est celui-là. Ça monte bien. Mode montage. Dégueulasse, ce rose-là qui ressort devant. Bon. Des couleurs, ça passe mieux. Alors là, le rose, c'est... l'espèce de bavure, là, c'est moche. Allez, filtre à air. J'ai remis le 9, hein. Oui. Bon, de toute façon, le jeu propose le 9, normalement, du début. Et j'ai quand même un doute. J'ai un gros doute. Si, c'est bon. Je préfère vérifier parce que c'est pas quand on va remonter le tout qu'il va falloir se dire, eh merde. En fait, elle a déjà pas mal vécu, sa voiture, j'ai l'impression. Parce que toutes les pièces, quand vous y regardez bien, elles sont déjà... Attendez, c'est tout marron, c'est tout... C'est déjà pas mal foutu. Là, on serait pas mal, donc du coup, il nous resterait juste de l'huile à remettre. Oui, changer l'huile, et puis on est bon. Ah ben, elle a pris du temps, cette petite auto. C'est là que ça se passe. Et bonjour à ceux qui sont là, s'il y en a qui sont là, parce que je vois qu'il y a quand même 3-4 visionnages simultanés, donc n'hésitez pas hein, sur le live à interagir, c'est fait pour. C'est ce que je trouve dommage en fait, souvent sur mes lives, j'ai peu de monde, bon ça c'est une chose, je le sais, mais c'est dommage que ça déborde, oui, bah alors stop. Mais c'est dommage, il ouais, n'y a pas de... Sans écrire des romans, c'est pas ce que je vous demande, hein, mais des fois juste... Bah déjà de dire bonjour, c'est cool. Ça me fait plaisir. Moi. Je le fais pour vous, hein, dans un sens, les lives. Je le fais pour moi aussi, mais je le fais pour vous. Donc n'hésitez pas. Non, puis moi c'est bien, comme ça, ça me... Des fois ça me montre vos pseudos, ça me permet de les retenir un minimum. Toi, Nicolas, par exemple, son pseudo, je le connais bien maintenant, quoi. Je sais qu'il est souvent là, quoi, et... Donc n'hésitez pas. Ensuite, on referme le capot. Et on rentre cette voiture. Tac, 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 tac. Et ben c'est bon. Allez, on passe à la 16e. Oui. Et puis, ben je pense qu'on va essayer de se fixer 20. Hein, ça nous fait faire encore 4 missions selon la longueur qu'elles font. Et je pense que je mettrai fin donc à ce premier live sur ce car mécanique à la suite. Donc soit profitez-en d'ailleurs hein, si vous avez des choses à dire parce que je suis là encore plus très très longtemps. Peut-être encore une demi-heure, grand maximum. Donc ensuite cette vidéo, bah, de toute façon je referai comme je fais habituellement, c'est-à-dire je la retransformerai en vidéo. Hein, je coupe notamment peut-être par exemple à un moment où je suis parti moi, chercher un verre de café là. Tout ça, j'ai les débuts où je fais les réglages, où des fois j'en coupe un bout, enfin je remets en fait, je laisse vraiment que ce qui est utile quoi. Ce qui... Je laisse un peu le live tel que, je change pas grand chose, mais je coupe les moments, notamment des fois où il y a des blancs, des trucs, qui je juge sont nécessaires. Et puis bah, ça revient en vidéo, comme ça vous y avez en première page sur la chaîne, parce que sinon, je vous dis, moi j'ai pas l'idée forcément d'aller en direct. Et, de toute façon, j'ai pu voir à moi que ça refaisait de la vue après, donc c'est bien qu'il y a des gens qui ne les ont pas forcément visionnés. Alors, localiser et éliminer le problème. Mission 16. C'est une Revton Wind. Bah, c'est encore la fameuse voiture que je sais pas ce que c'est. Décidément. Elle est de 2010. Alors, ma voiture a un grand kilométrage. Elle fait des bruits étranges au démarrage. D'accord. 1400 balles. Je vais regarder au niveau de... Et points, là, ce qu'on peut faire. Ça, je vire. Parce que si je peux gagner encore plus, ça serait bien. Alors, manuel. Donc là, je suis niveau 2. Et après, les autres, on est tous niveau 1. J'ai 6300. Ouais, je peux faire quelque chose. On va même presque en acheter deux d'un coup. Bah, on va faire celle-là, là. Et puis, bah, je vais faire celle-là. Allez, hop. Et puis, je ferai celle-là le coup d'après. Il me reste 4003. Allez, ça devrait être bon. Alors, là... Ouais, j'aime bien cette couleur. C'est pas moche. Il a dit sa voiture fait des bruits au démarrage, c'est ça? Localiser, éliminer le problème. Ma voiture a un grand kilométrage, elle fait des bruits étranges au démarrage. Au démarrage? Qu'est-ce qu'il appelle au démarrage?
Alors, pour moi, démarrage, c'est quand il tourne la clé et puis que. Donc ça pourrait peut-être être plus un problème d'allumage, là, pour le coup. Parce qu'il y a ça, quand même. La batterie a l'air quand même pas chouette. On lui fout un coup de loupe. 79, bon, c'est pas ça, hein. C'est pas ça le problème. Ah, cette mission-là, déjà, ça a l'air un peu plus compliqué. Bah, il est temps, j'ai envie de dire. Alternateur, il est pas moche. Des bruits étranges au démarrage. Alors là, c'est là que ça va commencer de se complexifier. Parce que des fois, les clients nous induisent en erreur, tout simplement. Ça, c'est quoi? C'est les fils, faisceaux d'allumage, ouais. Il y a ce truc-là, le module d'allumage, mais je peux pas y tester. Je crois qu'il faut que j'enlève ça, oui. Je vais en démonter des bouts à ce niveau-là. Bon, je commence par enlever ça. Ah bah oui, il y a les bougies en dessous, ça on y a accès normalement. Et oui. Je vais démonter tout ça, on va regarder la gueule que ça, mais ça me paraît pas abîmé à première vue. Alors, déjà sur ce que j'ai démonté, qu'est-ce que ça ressemble? Bah c'est tout en bon état. Donc le problème ne vient pas de là. Ouais, j'ai l'impression que là, le mec, il nous dit pas des trucs intéressants. Alors, les bougies, est-ce qu'on peut les tester? A priori, oui. 76, donc c'est pour ça. 80, parce que là, elle est même encore en meilleur état. 93, non, mais il n'y en a pas une pareille. Peut-être pour ça que ça fait du bruit. 90, non, il n'y en a qu'une qui est jaune. Ok. On peut quand même ouvrir ça, mais normalement non. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Démarreur, peut-être tout simplement. Oh, le démarreur, il est propre. Eh, mais attendez voir. Ça, c'est pas très beau. Hein. Mais alors, ça n'a rien à voir avec le démarrage. On a vu, c'est les deux cardans hein, qui sont cuits. On est en train de partir sur un truc qui est complètement... Mais là, ça coïncide pas du tout avec... Ma voiture a un grand kilométrage. Bon, ça, ok. Elle fait des bruits étranges au démarrage. Ah bah, quoi que si. Il cardan claque ou quelque chose. Quand il engage sa vitesse et puis qu'il part, quoi. Ouais, ça peut être ça. Bon, enfin, ce serait tout le temps. On va vérifier. On va vérifier ça, je vais lui remonter le faisceau là, parce que de toute façon, a priori c'est bon. Bon montage, ah bah oui, parce que j'ai ça qui est pas hormis, d'accord. Tac. C'est la bobine d'allumage, hein, clairement. Ça, on le remet. On peut même lui remettre le cache. Voilà, comme ça on n'oublie rien. On va partir au niveau des roues. Ah oui, c'est la voiture qui a les belles jantes. Oui, c'est bon. Tac. Et puis je vais regarder si je peux foutre un coup de loupe au joint. Alors. Ah bah oui, bah c'est ça. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est les cardans. Bon, et ben je démonte celui-là tant que je suis par là. C'est ça le problème. Bah heureusement que j'ai regardé le démarreur. Je les ai pas forcément fait gaffe du dessus. J'ai pas visionné ça. C'était pas simple cette mission, disons. On sent que qu'on arrive ouais, sur les missions là pas loin des 20. Parce que du coup, ça commence à se complexifier. Mais c'est bien, c'est bien. Il faut. Pour faire des vidanges et des filtres sans cesse. Ben on enlève celui-là aussi. Et je pense qu'on est bon. Toujours rien à l'arrière pour le moment. J'ai l'impression. Bizarre qu'il n'y ait aucune panne derrière quand même. Voir qu'il y a peu de pièces hein, derrière hein, finalement. Pour la morto là. Ah oui. Hein. Ça, ouais, il n'y a pas grand chose. Bon, alors du coup, on va regarder si on peut les réparer, mais je pense pas. Non. Donc il en faut deux neufs. Donc il lui faut un joint gauche et un joint droit. Et ben c'est vu. Ma petite réduction va peut-être m'être utile, du coup. Alors, des joints. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça.
Je pense que c'est une histoire de traduction, à mon avis. Du coup, ça se retrouve comme ça. Il y a des trucs, c'est très bien traduit, hein, mais... Des trucs, c'est un peu bof bof. Joint droit, joint gauche. 4, 5, 6, 7, putain, il y en a pour une somme. Hein. Heureusement, je l'ai payé un peu moins, moi. Ça commence à devenir intéressant pour nous. Allez, on remonte ça, puis on verra si le problème est solutionné. Ben, je pense que oui. Joint droit. On va remettre ça. Je vais même... non, je vais remettre l'autre joint avant de vérifier, de mettre l'autre. J'ai presque dû attendre. Je vais mettre celui-là. Et puis je vais regarder si sur la checklist on est bon. Tac. Ouais, c'est bon. Il y a le V. On a le tampon. Donc c'était bien ça. Allez, super. Une mission de plus au compteur de réaliser. Paf. Eh ben allez, on ferme ça du coup. Vérifier que j'ai bien tout remis. Ouais, on est pas mal. Eh ben au revoir, petite voiture bleu-vert. Ouais, c'est très joli cette couleur, j'aime bien. Mais c'est toujours, je sais toujours pas ce que c'est. Je n'arrive toujours pas à voir qu'est-ce que c'est que ce modèle. Chez Peugeot, il y aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Que tout à l'heure, j'étais parti chez Renault. J'essaie de chercher dans ma tête chez Citroën, c'est pareil. De toute façon, c'est des marques connues. Hein. J'essaie aussi de me fier au logo. Le logo, des fois, a une incidence avec quelque chose de réel. Alors là, je vois pas du tout. Une Opel, puisque la première... Mais c'est pas une Refton, la première. Ah, le Kangoo, c'est un Refton, par contre. Enfin, le Berlingo. Ma Peugeot Partner, tiens, si. Ah, ou une 508 de chez Peugeot. Ah, oui. Une 508, les gens, ça serait pas ça. Elle est assez arrondie, la 508, comme ça. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et elle a le coffre comme ça. Hein. Du coup, Refton, ça serait Peugeot. Je sais pas. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le logo de chez Peugeot. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je partirais bien sur une 508, du coup. Ça pourrait être plausible. Allez, on passe à la mission suivante. C'est pas l'objectif. Mais j'ai peut-être trouvé, dis donc. Enfin, en tout cas, ça me répond à une interrogation. C'est bon. Pof. Non, une 508. Je viens de penser à ça, là. Ça m'a mis sur la piste, le Peugeot, là. Vérifier le pot d'échappement, bah décidément, tiens, c'est le Refton Van. J'ai heurté quelque chose de dur sur un route cabossé. Oh, il manque une lettre là. Sur un route cabossé, ouais. Et je pense que l'un des pots d'échappement s'est cassé. Examinez-le. Examinez-le, il dit juste vérifier, ça se trouve, il n'y a rien à changer sur cette voiture. Alors, on va voir. Ça je vends. Ouais, ça c'est un partenaire, ça. Alors, pot d'échappement, donc on lève. Quick. Avec le R, là, la patte qui part, ouais, ça serait la patte du Peugeot. Ouais, peut-être, je sais pas. De toute façon, il y a une signification. Ouais, le problème, il est là. Hein. Le bout de tube. Parce que là, on est bon. Hein. Je fais déjà un premier contrôle visuel. Oh, mais c'est sûr, le problème, il est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Je vais prendre ma loupe. Le meilleur outil du mécanicien, la loupe. Et on va vérifier celui-là. Oui, 22%. On va vérifier les autres tant que j'y suis. 95. Ouais, elle est toute neuve après. Ouais, donc il va falloir qu'on démonte toute la ligne pour avoir accès à celui du milieu. Enfin, sauf si j'ai pas besoin de le changer, on va quand même vérifier. Ah non, là c'est pas validé. Donc là, faut que je change. Ok, et ben on va démonter, c'est pas grave.
Donc il lui faut un pot d'échappement central. Ok. Et eh ben allons-y. Allez, clac, clac, clac. Celui-ci. Et donc on a accès à notre tube. Voilà. Alors, du coup, on comprenne bien les choses, c'est un pot d'échappement central. On ne se trompe pas. Je passe quand même à l'établi, histoire de... fermer. Et il me faut un central. Alors, il n'y a pas de barre de recherche hein, sur celui-là. Hein. Non, je n'ai pas l'impression. Non. Il faudra attendre un petit peu pour ça. Pot d'échappement. V6, arrière, avant, central. Voilà. Nib. 96 balles, il me donne 200. Et ben c'est bon. On est à peu près rentable. Stock. Ah, ma meuf l'a pris dans un bout de machin, là. Il voit plus rien. Ok, ensuite. Celui-là. On arrive au bout. Et voilà. Alors, c'est tout bon. C'est tout bon. V repair. Ok, allez, je redescends l'auto. Tac. Et retour client. Allez, c'est parti. Je boum, donc c'était la 17. Allez, il nous en reste encore 3. Ouais, 2 ou 3, je vois. Essayez de monter à 20. On va voir selon la longueur qu'elles ont. Trouver et réparer la panne. Mission 18, Vulcan Family. Plus je roule vite, plus il y a du bruit. J'ai aussi remarqué que les lumières du tableau de bord sont plus faibles. Oh, bah, je pense savoir. Peut-être l'alternateur pour le coup. Là. Mais par contre, c'est le plus je roule vite, le plus il y a du bruit. Qui m'inquiète. Est-ce qu'on pourrait faire... C'est juste pour faire le test. Théoriquement, le scanner OBD, il agit sur les pièces... Peut-être ça va me trouver du coup l'alternateur, je vais essayer. Ça devrait trouver bougie, tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, dans les suivants, c'est comme ça. Souvent. Je crois qu'il y a le multimètre aussi qu'on n'a pas dans celui-là. Donc ça, c'est réglé. Tac. Et du coup, ici... Oh oui, bah l'alternateur. Oui, 13%. Donc vous voyez ici, le OBD m'a bien... Bah puis même la batterie, finalement. Bon, elle est pas foutue, mais ça me donne le pourcentage sans le contrôler. Donc le problème, il vient de là. Et la courroie, parce que pour que l'alternateur soit cuit... 81, non ça va. Bon, on va démonter l'alternateur. Et puis je pense qu'il y a juste ça. Hein. On va quand même se méfier sur le reste. Plus je roule vite, plus il y a du bruit. Oui, bah si, ça paraît très logique. Peut-être au niveau de l'axe de l'alternateur, justement. En prenant de la vitesse, quoi, il accélère et puis du coup ça... Bon après j'ai jamais vu réellement que ça faisait autant de bruit mais bon. Mais par contre pour les lumières du tableau de bord qui sont plus faibles, c'est sûr que c'est ça. On va essayer de tenter de le réparer. Il me paye combien le coco là? 550, ouais bon on doit être rentable.
216, ouais, c'est bon. Clac. Il est tout neuf, la courroie, elle est bonne. On va lui remettre ça, on va voir si c'est bon, et puis on passe à la suivante. Oh, bah, c'est bon. Oh, il est presque trop simple, ce jeu, finalement. À l'arrivée, ils ont quand même vachement complexifié les choses, hein, maintenant. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Après, il y avait peu de pièces, hein. C'est vrai que, finalement, on tourne plutôt en rond. Hein. À l'arrivée. C'est quand même souvent les mêmes choses. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. On est bon. Donc, pas de pièces à revendre, du coup, puisque j'ai réparé à moindre coût. C'est joli aussi, cette couleur-là. C'est pareil, du coup, celle-là, j'ai pas vraiment de marque. Alors, du coup, c'est pareil, parce que c'est une Refton aussi. Alors, est-ce que toute la voiture s'appellerait... Ah non, c'est une Vulcan, celle-là, donc c'est encore autre chose. Vulcan, c'est une autre marque. Moi, j'irais le Ford Galaxy, celle-là, mais... En première vue. Je pense. Allez, on passe à la suivante. Moi, j'aime bien observer les voitures, après, trouver ce que c'est. Tac, tac, tac. Mais je regarderai sur Steam, parce qu'il me semble qu'il y a une checklist. Donc, c'est que les gars, il y en a qui se sont amusés à, justement, aller découvrir qu'est-ce que c'est. Et du coup, c'est pas mal. En soi, c'est la Golf, yes. Trouver la solution. Ouh là là, on arrive quand même sur des trucs qui commencent de plus en plus compliqués. Mission 19. Allez, de toute façon, on arrive au bout. Et tant mieux, il le faut. Alors, j'ai à peine les moyens de m'acheter une voiture. Mais j'ai quand même réussi à m'en acheter une. Ouh là. Mais elle ne démarre pas. Aidez-moi, j'ai seulement 300 de côté et je ne voudrais qu'elle marche pour la montrer à mes parents. D'accord, donc c'est un jeune qui a pas trop de sous. Donc il va falloir qu'on essaie de lui réparer ça à moindre coût. Après, elle a peut-être pas un gros problème. Hein. Je voulais sa voiture en plus. Alors, trouver la solution. Oui, trouver la solution, ça nous dit pas. Ou Vingueux. Vingueux de Vingueux. Alors là, déjà, on peut pas trop se fier à l'apparence. Hein. Là, je sens que celle-là va être déjà beaucoup plus compliquée. Ah oui, là, ça y est, on est parti dans le vif du sujet, là. Ça va être beaucoup plus chiant. Eh ben, on va lui foutre un coup de scanner OBD, ça va peut-être nous trouver des choses. Parce que là, il va falloir, je vais même sinon aller lui faire un essai routier. Parce que... Mais je vais déjà foutre un coup de ça. Parce que sachant que 300 balles, on peut pas réparer beaucoup de choses. Hein. On va essayer de pas l'assommer quand même. Mais peut-être c'est une panne... Pas grave, il veut la montrer à ses parents qui nous dit ouais, ça nous aide pas beaucoup, mais bon. Alors, du coup, le scanner nous a trouvé quoi? Une batterie à 54, donc la batterie est pas mal. Lui, il est à 37. Ah, ça commence à être médiocre là. Ah, faisceau d'allumage 5%. Oui, il nous a dit qu'elle démarrait pas. C'est vrai. Mais elle ne démarre pas, donc ça pourrait venir du faisceau. Et ça, on est à 49, donc c'est pas le module. Bon, bah faut qu'on enlève le faisceau, clairement. Faisceau 5%, ouais, lui il est cuit. Tant que je suis ici... Oh, bah les bougies aussi, oulala mon dieu. On va s'en retrouver pour cher les gens, hein. Oh là là, les bougies sont cuites. Oh, puis les 4. Eh ben, on va les enlever. Remarque, des bougies, c'est peut-être pas si excessif que ça. Sachant que moi, je les paye légèrement moins cher. Faut que ça fasse les 300 pour lui. Ça va être un boulot à perdre, vous allez voir celui-là. Je le sens arriver. Ça, on a dit que c'était bon. Alors après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui poserait souci? Je vais quand même foutre un coup de loupe à la courroie. 43, non, c'est bon. Distrib. On va profiter de lui regarder un peu des trucs, hein, parce que... Il a pas trop de thunes, le pauvre. On va prendre pitié de lui. 38. Pompe à eau, 39. Non, bah tout ce côté-là, c'est pas trop mal. Ça commence à devenir urgent, mais c'est pas imminent. Non, bah, je pense que le problème est bougie, faisceau, clairement. Ouais. Donc on va commencer de toute façon par régler ça. Je vais regarder s'il y a des pièces qui se réparent. Mais je pense pas. Il n'y a rien qui se répare. Alors, faut que ça fasse moins de 300. Pour nous, ça serait bien. Alors, faisceau. Après, je peux peut-être lui mettre de la pièce d'occasion, lui. Ça pourrait être peut-être le client idéal.
Des bougies pour 12 balles. Et combien vaut une neuve? Ah, 28. Quand même une différence. Si j'en prends 4 à 28. Bah c'est bon, de toute façon, on est toujours en dessous des 300. Et on a dit un faisceau. Ça, ça va coûter des sous, à mon avis. Faisceau d'allumage. C'est ça. 144. Oh, bah ça passe. Et par contre, faut pas qu'il y ait autre chose. Hein. Sinon, ça passe plus. Hein. Et un faisceau d'occasion. Il y en a. Peut-être les pièces se mettent en fonction de la mission. Oui, il y en a un en plus. Ah mais c'est pareil, je sais pas en quel état il est, moi, le truc. On peut pas savoir le pourcentage à combien il est. Et pour qu'ils le vendent ce prix-là, il doit pas être bien haut. 144 et puis on a dit 28 x 4. Oh, théoriquement ça passe. On est pour on va être pile poil hein. Bon je vais tenter le coup. Et bon on va pas faire la charité 8 jours hein. Je vais couler sinon moi. Bon 144, je me suis pas trompé, c'est le bon. Et donc les bougies, elles sont là. Il m'en faut 4. 2 3. Ah, je suis pas sûr qu'on soit bien rentable sur cette mission, mais bon. Moi, faut. On lui mettre des pièces neuves. Au moins, elle va fonctionner correctement. Alors. Bah, il faudrait qu'ils nous disent le pourcentage, à combien de pourcents sont les pièces d'occasion, parce que finalement, on le sait pas. Si tu les achètes pas, tu peux pas savoir. Oh, c'est un peu mal foutu, ça. Je savais, de toute façon, je me souvenais que ces pièces d'occasion, moi, je leur trouvais pas un gros intérêt, mais... Alors, est-ce que ça a validé la commande? Eh ben oui, donc on est bon. On est bon, on est bon. Alors, peut-être il me donne un peu plus, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas du tout. Est-ce qu'il me reste des pièces? Bon, donc ça, c'est bon. Il me reste les pièces usées. Bon, ça va. C'est pareil, je suis sûr qu'il a plus d'huile dans son auto. Oh là là. Qu'il aurait fallu une vidange et puis... Ah, je veux pas le laisser partir comme ça, le pauvre homme. Et il y a en dessous du mini. Tiens, premier virage, la voiture, elle est sur cale. Ah, je vais lui en mettre un peu quand même parce que... Je prends vraiment pitié de lui, là, parce qu'il me fait de la peine, là, mais... Pff, oh, mon dieu. Vraiment pour la remonter au-dessus du mini, parce que moi je la paye hein, lui. Hein. Elle est passée pour 6 balles. Ouais, bah écoute, à mon avis, mon grand, t'en as assez. Ouais, voilà, elle est entre le mini et le maxi, et au moins ça évitera de bousiller le moulin, parce que. On voit qu'il l'a vidange, hein, faudrait qu'il y pense. Bon, c'est un peu vraiment du rafistolage ce qu'on fait. On va lui rendre ça, et puis ma foi, en espérant que ça paye un peu. Ah oui, et est-ce que je vais gagner combien avec ça, moi? Gagner... Ah bah j'ai gagné 735. Bon, le mec il me dit qu'il a 300 et il me donne 700. Bon, bref, peu importe. Allez, on passe sur la 20e mission et donc ce sera l'ultime mission de ce live, la dernière. On me dit remplacer les bagues en caoutchouc d'une Genesis Stone. Donc c'est la petite Opel Corsa, je crois, ça. Les bagues en caoutchouc ont été détruites, remplacez-les toutes. Ouais, bon, ça, je sais ce que c'est. C'est les petites... C'est les fameux... comment ils s'appellent? Les fameux cylindres en bloc, là, qui font chier, d'ailleurs, après. Sur les prochains. Donc là, ça va se passer en dessous. Ah, je suis sûr de mon coup. Ils se jouent en caoutchouc, ils appellent ça, c'est ça? Alors maintenant faut qu'on l'y trouve. Où que c'est qu'ils sont? Alors en général ils sont dans les axes. Ah, mais il y en aurait un là peut-être. Alors loop. On peut les tester. 13%, donc celui-là déjà on sait qu'il est mort. 5%,
100%. Il n'y en aurait pas un de l'autre côté aussi. Non, il n'y en a que deux. Il n'y en aurait que deux. Oh. Ça paraît bizarre. Est-ce que j'y ai accès comme ça ou est-ce qu'il faut démonter le tout? Ah, j'aurais accès à ça comme ça. Ah bah alors allons-y. Ah bah non, faut que je démonte les roues à mon avis. Alors, je vais quand même vérifier derrière. Bon, je pense pas, mais... Ah, si. Là, c'est foutu aussi, ça. Panne 2, ouais. Donc, il y a sûrement celui-là aussi. 15%, bah oui. Est-ce qu'il y en aurait d'autres derrière? Vous voyez, ça, c'est une pièce qui a été sélectionnée au hasard. Non, il n'y en aurait pas d'autres. Alors, est-ce que je peux les démonter? Ah, mais je suis parti. Ouais, je peux les enlever comme ça. Bon, donc c'est bon. Donc, 1, 2. Par contre, pour ceux de l'avant... Moi, je vais pas essayer, mais peut-être que je peux enlever les... Ah bah oui, je peux les enlever sans démonter, d'accord, bah c'est bon en fait. Ah bah c'est facile. Hop. J'en ai 4. Alors, je sais pas s'il y en a plus ou pas. Liban Gorijou est remplacé les toutes. Ok, 700 balles. Ça ne se répare pas, je pense pas. Pour ce genre de conneries, non. Donc là, il en faut 10. Bon, j'en ai acheté 4. On va déjà remonter ces 4 là, on va voir si ça passe ou ça casse. Comment que ça s'appelle? Oh bah de toute façon je vais voir la gueule du truc. Alors. Douille de bras de suspension, c'est ça. 110? Eh bah dis donc. Pour 400 balles la plaisanterie. Ah bah dis donc. Bah ça vaut le plus du cul ce machin là. 2. 3. 4, allez donc, 400 balles dans la face. Ah bah petit gars, oh j'en reviens pas. Bah y a intérêt que ce soit bon. Oh, comment ça nous coûtait cher toutes ces missions maintenant? C'est plus que c'était, fut un temps. On va aller mettre les deux derrière, on va vérifier si ça valide ou pas. Sinon bah faut qu'on cherche et de ce moyen d'avoir d'autres. Alors, est-ce que ça a pris ou pas? On est bon. CV. Donc, on peut tamponner. Donc, la voiture est bonne. Allez. Eh ben, ça sera la dernière. On la redescend. Ici. On la rend à notre client. Et donc, ça mettra fin à notre premier live sur Car Mechanics 2014. Donc, je rends la voiture, bien sûr. Hop. Alors, repair. Et j'ai gagné, bah sûrement plus, hein, de toute façon. Je vais peut-être me faire les autres améliorations, ou sinon je les fais en début de live prochain. Réparer la pompe à eau qui coule. Bon, on verra ça pour la prochaine fois. La voiture le rend fou. Et bah écoute, c'est bien. Je ferme le garage de toute façon pour aujourd'hui, ça ira très bien. Je vais vendre par contre les 4 douilles. Parce que sinon, on va s'y perdre. Et donc bah, on se retrouve, je sais pas quand, peut-être le week-end prochain. Ce sera pas en semaine, hein. De toute façon ce sera que des week-ends que je ferai ce genre de jeu. On repartira sur un live de même durée, hein, au moins 2 ou 3 heures, pareil. Donc c'est que je referai un maximum de missions, même si à mon avis il faut que je, quand même que je prévoie de toute façon que les missions vont être de plus en plus longues, j'imagine. Voilà, 76, hein, je rappelle, je sais qu'il y en a 76 principales. Et après donc il nous restera tout le DLC 4-4 et le DLC 1 Carmile. Donc il y a quand même encore du boulot dessus. On a quand même de toute façon pour au moins minimum 4-5 lives, voire plus. Des 4-4 je crois de mémoire qu'il y en a moins. Et qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous dis peut-être une bêtise, j'en sais rien. On regardera ça à ce compte là en début de live prochain pour les améliorations. On a que 5000 quand même, on n'est pas non plus riche comme Crésus. On changera peut-être sans doute à mon avis de garage dans le live prochain, j'imagine. Parce que je me sens bien que de mémoire on reste pas ici de toute façon éternellement. Mais voilà, ça fera l'objet d'un live prochain. Donc
peut-être le week-end prochain, sinon ce sera celui d'après, je vais voir. En tout cas, voilà, on redémarre entre guillemets une longue aventure sur Car Mécanique, puisque, comme j'ai dit, hein, si vous regardez la diffusion, donc on commence par celui-ci, je le fais à son 100%, entre guillemets, hein, je vous montre un peu toutes les missions qui sont possibles. Et puis, bah, une fois qu'on l'aura terminé, je continuerai bien sûr cette série, donc pareil en live, dans la continuité des choses. Et je jouerai sur le 15, puisque je l'ai au complet. On verra un petit peu ce qu'il apporte en plus, mais on n'en est pas là. De toute façon, il faut déjà qu'on fasse celui-là en entier avant. Et ensuite, bah, on repassera sur le 2018. Et ensuite, ça laissera comme ça le temps au 2021 de se développer et puis de sortir tout ce qu'ils ont à sortir, puisque il dit, hein, ils sortent des DLC, là, les remasterés de chaque DLC qui existait auparavant dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je suis reparti directement aux sources. Voilà, allez, bah écoutez, merci à ceux qui auront été présents sur ce live. Et puis bah, je vous souhaite bon visionnage pour ceux qui regarderont la diffusion. Et puis bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. C'était Vivi, portez-vous bien, ciao les amis.